Ce jeu contient de nombreuses scènes violentes. Vous voilà prévenus. Voilà, bon, ben on a loupé la petite intro du jeu. Mais ce n'est pas grave. On peut peut-être la remettre? Configuration du clavier, on s'en fout, on joue à la manette. Manette Xbox 360, du coup. Ah, avec un peu de chance, on peut jouer avec la croix directionnelle. Ça serait pas mal, parce que franchement, avec le stick, c'est une catastrophe. Donc on a le mode normal, le mode arrangé. Spécial, c'est quoi? Ah, c'est les galeries. Pour le moment, je pense qu'il n'y a rien du tout. Bon, on va faire le mode arrangé. Ça, c'était pour être tranquille. On va rester en mode normal. Mais en mode arrangé. Mode arrangé, normal. Mode arrangé facile. Alors là, c'est pépère de chez pépère. Hein. On va voir si on a la vidéo. J'espère. Sinon, ben, c'est pas grave. Ben, je ferai un montage et je vous mettrai la vidéo dans la rediffusion. Mais c'est peut-être que, ouais, c'est bizarre. Ça veut dire qu'il n'y aurait pas les vidéos de fin, tout ça? Ah, ça ferait chier quand même, quoi. Bah, on va voir ça. What have we got here? That guy's a maniac. Why'd he bite me? What could have done this? What was that? What are these things? All right, that's far enough. Don't move! Don't move! No! What's up with that guy? That was a clean hit. We're running out of ammo here. Oh. Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. In town, and the whole place went Great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. No! Look out! Hang on! You okay? Still in one piece. Maniac's gonna ram us! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station.
I'll meet you there. Okay. Oula, ça commence direct. Comment ça? Oh là 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 là, c'est pas ce que je voulais faire. D'accord. Ah non, bah non, moi c'était pas ça que je voulais. Bah attendez, on va recommencer. On va recommencer. Je vais passer comme ça. Voilà. Voilà ce qu'il me faut. Jouer de manière tranquille, pépère. Alors ça, c'était un mode qui était présent sur sur la Dreamcast, sur la GameCube. Ah bah là, pour le coup... Ah non, ça va. Donc ça fonctionne. Contrairement au 1 sur PC, ça fonctionne avec la croix directionnelle. Et je pense que ça va bien nous aider pour la jouabilité, notamment pour les boss. Et donc le mode arrangé, bah on a ça, la mitraillette infinie. Et là, bah, c'est du bonheur, on fait le jeu tranquillement sans se prendre la tête. Par contre, il y a moins de zombies en mode facile, mais j'aurais voulu le mode normal avec la mitraillette infinie. Freeze! Who are you? What are you doing here? Hold your fire! I'm a human! Sorry about that. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I don't have a clue. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Alors on se rappelle, ceux qui ont fait le jeu, on se rappelle tous de ce qui va se passer maintenant. Ah, c'est un plaisir hein, de se refaire ces jeux, ça j'ai déjà dit la dernière fois. On va quand même récupérer tout ce qu'on peut, hein. Est-ce qu'il y a des rubans encreurs dans cette version? Parce que dans le 1, il n'y avait pas besoin de rubans encreurs. Voilà. Est-ce que vous avez fait un bon? Allez, je suis Rambo. Et là, normalement, il est mort. Voilà, on a ça à récupérer. Et dans le jeu, on a ça tout de suite, quoi. Le pompe, on l'a très vite, quoi. Donc, je rappelle que c'est un abandonware pour le télécharger sur le site www.abandonware-france.org. Est-ce qu'on peut aller par là ou pas? Allez, dégagez. Qui sont morts. Voilà. Ils sont morts. Mais on n'y va pas tout de suite. Ah, il en restait un. Faudra aller par là après. Je prends quand même les trucs, hein, c'est amusant. Encore un copain. Ah, y a pas de souci, je vais venir faire le ménage. Là, y a pas de problème. Vous allez voir. Mode décontracté, mode tranquille. Ah, ça me fait chier que je comprends pas pourquoi ça capture pas les vidéos de. Je sais pas du tout. C'est un truc incroyable. Thank you.
pas mortel. Ah merde, j'ai réussi à me faire bouffer. Alors que j'ai la mitrailleuse. Première fois que j'avais joué à ce jeu-là, c'était en démo. La démo, elle était avec le jeu Resident Evil 1 Director Cut, si je m'en souviens. Oh la vache, c'est génial. Si j'avais vu ça dans le remake... Si j'avais vu ça dans le remake, c'était... Ça aurait été la planque, hein. Avec le... Les tirants... Oh putain! Je me rappelais plus de ça. Ah, la musique, elle est... Elle est d'enfer, l'ambiance est d'enfer dans ces jeux-là. Putain, j'espère sérieusement qu'on aura une image de fin quand même, quand on aura fini le jeu. Pas qu'il me bloque la vidéo aussi. Ils sont résistants quand même, hein. Et voilà. Juste pour le plaisir, juste pour le plaisir. Vous avez qu'à pas vous relever. Alors il y a un passage... Waouh. Je crois qu'il y a un passage avec des zombies, des passages sans zombies par le coin là pour aller accéder au commissariat, si je me souviens bien. Ah non, l'autre côté c'est carrément autre chose. Ok. Je sais plus ce qu'il y a par là, on va quand même aller voir. Ah si, c'est le chemin, d'accord, si. Si, si, c'est le même chemin, mais on évite les zombies qui sont dans la cour. Ah, c'est bien ce que je me souvenais. Ah, le célèbre commissariat. C'est parti. D'enfer. Enfer, ah, c'était terrible, je me souviens pas, je me rappelle comme c'était hier, hein, quand j'avais essayé, j'étais avec mon cousin, je crois, le Stéphane, que je salue, hein, s'il regarde ce live, et ah ouais, on était, waouh, terrible, les graphismes étaient plus beaux, il y avait plus de zombies, c'était, ah, il y a des rubans en creux, hein, cette version, il va falloir faire attention, au nombre de sauvegardes qu'on va faire. On n'a pas la clé tout de suite. On va pas sauvegarder tout de suite non plus d'ailleurs, parce que... On va essayer d'économiser. Alors, je sais plus quelle porte est ouverte. Il y en a une qui est ouverte. On va rencontrer notre collègue policier qui devait être notre supérieur. Voilà. Oh man. Who are you? Oh, you must be the new guy. Leon. Sorry, but it looks like your party has been canceled. What happened? About 2 months ago. There was this incident involving zombies in a mansion located in the outskirts of this city. Chris,
and the other STARS members discovered that Umbrella was behind everything. They risked their lives to reveal the truth, but no one believed them. Not long after that, all this started to happen. Hang in there. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... just go. Fine. But I'm coming back for you. Just hold on. D'accord, on va tout de suite partir dans votre pièce. Il s'est enfermé. Il veut pas qu'on se fasse bouffer. Bon, donc on va activer l'ordinateur. Alors par contre, je me rappelle bien du début, mais pas de la suite. J'ai fait le remake, mais je crois que c'est quand même différent. Il y a quand même des différences. On va voir ça. Et j'ai fait le remake avec Léon. Donc ça, c'est tant mieux. Ça m'arrange que Léon ait été choisi. Il y a deux portes qui ont été ouvertes, d'accord. Ça m'arrange que c'est Léon qui ait été choisi. On va commencer par là. C'est vrai que déjà le début c'est complètement différent hein, que de... dans le remake. Ah, ben voilà la malle. Oh oui. Oh, je me rappelais plus qu'il y avait tout ça. D'accord. On a la mitraillette, on a quoi d'autre? Lance-roquette. Le minigun. À la Fortnite. Et du spray désinfectant. On va prendre un spray désinfectant au cas où. Et je pense que la mitraillette, ben, c'est suffisant. C'est déjà bien sympathique. Donc voilà, le mode arrangé, on est tranquille quoi. Hein. Vraiment. Ah, peut-être que... ouais. Bon, bref, c'est pas grave. Nous souhaitons vous tenir informés de plusieurs changements qui ont eu lieu lors des réaménagements du commissariat. Le coffre dont la serrure possède 4 chiffres est passé du bureau des STARS au premier étage au bureau Est du rez-de-chaussée et le code est 2236. Ça, je crois que c'est exactement pareil. Ah, notre copain. On avait fait une drôle de tête à l'époque quand on a vu ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et aujourd'hui, je crois que c'est une des craintures les plus... ah ouais, regardez l'angle de caméra à l'époque, c'était énorme, quoi. C'était... la tension est hallucinante, là. Et là, tu te dis... ah, ça peut pas bien se passer. C'est pas possible. Pour ouvrir... ou fermer le rideau de fer. Impossible de activer le corps a été coupé. Mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Par contre, ça commence fort. Hein. Dès que t'arrives, t'as le linker. Bon bah ouais, la vidéo était coupée aussi. C'est vraiment chiant. Hein. Pic gravé sur la serrure. Ok. Bon, sur l'herbe verte, pas besoin. Donc très vite, on a des nouvelles créatures. Très vite, on a le pompe. Quand tu passes du remake à celui-ci, tu fais ouais, terrible. Le remake, j'avais sur PS4 en version normale. Je l'ai échangé avec un ami contre un autre jeu, je sais plus, contre
Dragon Ball, je crois. Et je me le suis racheté en version deluxe. Parce que... il me fallait ces musiques-là. C'était obligé. Parce que dans la version normale, il n'y a pas les musiques. Et je trouvais ça... titre et... sacrifice et feu d'enfer. Ouais, bon, on n'a pas le briquet. Ah, si, on a le briquet. Ah, je me rappelais plus qu'on avait ça. Ouais, je disais... faire le premier sans les musiques, c'était... le Resident Evil 2 Remake, pardon, sans les musiques originales. Sans la musique du jeu, quoi, du jeu classique, c'était pas possible, quoi. Donc j'ai repris la version deluxe, mais en dématérialisé. La police de la Comcity a été attaquée par... ah oui, par une bande de zombies. Les blessés sont nombreux et nous avons perdu plusieurs hommes. Nos moyens de communication ont été détruits et nous sommes désormais coupés du monde extérieur. Nous avons décidé d'intervenir pour protéger les éventuels survivants et éviter que le mal ne s'étende hors de la ville. Voici les détails de notre mission. Protection des armes et des munitions. Suite à de mystérieux incidents, le capitaine Aarons a instauré plusieurs mesures pour contrer tout acte de terrorisme. La veille de l'attaque des zombies, le capitaine avait fait répartir les armes dans plusieurs endroits du bâtiment afin d'empêcher que l'ennemi ne s'en empare rapidement. Malheureusement, cette mesure s'est retournée contre nous, car il nous est extrêmement difficile, pardon, de repérer les cachettes de munitions. Notre mission prioritaire et donc de récupérer tout cet équipement. Terminer le stock d'armes, etc. On va pas tout lire parce que... David Ford. Voilà, bref, on va pas tout lire parce que... déjà, je suis fatigué et je lis... comme un gamin de CE2, et encore. Bon, ils sont où les méchants? Je me suis peut-être mis un peu trop la promenade de santé. Ah bah voilà. Ah lui il est pas mort en bas. Voilà, hop. Ça c'est quand on a un aimboot, c'est-à-dire que t'es pas du tout en face de la cible et pourtant tu le tues quand même. C'est fermé. Ok. Faut une clé. Un carreau. Ok. Ah oui, d'accord, je vois où on est. Si je me trompe pas, c'est une sauvegarde avec la photo là. Ouais. On va sauvegarder maintenant d'ailleurs. Pour être sûr. Je crois qu'il va y avoir une énigme en haut. Putain, ça met un peu la pression, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a déjà des sauvegardes. J'irai voir ça, tiens, je vais démarrer les autres parties. Alors le jeu est téléchargé comme ça d'Abandonware, hein. Je le dis tout de suite, il n'y a pas eu de... c'est pas un piratage, c'est rien de tout ça. C'est vraiment le jeu PC de 98 qui a été patché par Abandonware pour qu'il fonctionne sur les nouveaux Windows. Là, je crois qu'il y a une énigme.
Voilà, c'est ça. Il faut inverser les trucs, je crois. Inscription sur le piédestal. Seul le regard de Dieu, soleil et de la déesse peut libérer mon âme Ruby. Oui, il faut qu'il se regarde, donc c'est faut inverser. Genre le truc un peu relou ça va faire. J'ai combien de mon creur? 5. Oulalalala, c'est pas beaucoup. Tu vas pousser ce truc. Oh là là, et ça par contre, ça a jamais été le top dans ces vieux Resident Evil. Ces énigmes-là. Voilà, et là. Qui va gêner, j'en suis sûr. Je crois que j'ai trop poussé. Ouais, oui, évidemment. Évidemment que j'ai trop poussé. Chier. Voilà. Donc là, je me veux avec deux rubis. Je vais faire une collection de rubis. Ici, il y avait des trucs. C'est le bureau des stars. Et là, il y avait une arme à récupérer. Si je me trompe pas, il y a un fax, il y a plein de trucs. Quelle pagaille. Eh oui, quelqu'un a dû fouiller, tu m'étonnes. On va laisser les munitions. Je pense si ma fille elle se lève pas. Encore un fusil à pompe. Je préfère garder ma place. En tout cas, il y a une arme ici. Ok. Ah, c'est quand tu sors de la pièce que le fax va sonner, si je me souviens bien. Même pas. Il faut prendre l'arme peut-être. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Ah, j'ai essayé de se débarrasser des deux rubis là. Oh putain. Se tromper de... le chemin. Patata, dégage. Ah, j'adore ce... cette mitraillette là. Ah ouais, là normalement il faut la petite fille avec Claire. Bon bah, on a fait le tour. On va quand même revoir un peu là, sinon on va retourner au hall et il y aura quelque chose à faire dans le hall. Il y a l'autre porte. On va prendre l'arme, on verra si ça sonne. Je pense que... je dirais que c'est ce qu'il faut faire. Il y a rien d'autre à prendre là. Ça se cumule ou pas? Je crois pas. Je comprends pas, mais oui, c'est Rebecca, ça.
soda jeune type. Sûrement son petit ami. Ah ben voilà, là il y a quelque chose. Journal de Chris. J'ai encore parlé au capitaine aujourd'hui, mais il ne veut toujours pas m'écouter. Je suis certain que la société Umbrella effectuait des recherches sur le virus T dans cette grande baraque. Tu m'étonnes. Ceux qui sont infectés se transforment en zombies, mais la maison est partie en fumée et les preuves ont brûlé avec. On a vu ça. Umbrella emploie tant de gens dans cette ville que tout le monde refuse de parler de cette histoire. Il semble que je n'ai pas de piste sérieuse. 17 août, nous avons reçu de nombreux appels signalant que des monstres ont fait irruption à plusieurs endroits dans la ville. Quelque chose me dit qu'Umbrella est derrière tout ça. 24 août, grâce à Jill et Barry, j'ai eu enfin l'info que je cherchais. Umbrella a commencé à faire des recherches sur une nouvelle bactérie, le virus G, qui est une variante du virus T. Je fais pas exprès, je suis désolé. Purée. Comme s'il ne nous avait pas assez créé de problèmes comme ça. Nous avons décidé de partir en Europe pour nous rendre au quartier général d'Umbrella. Je ne vais rien dire à ma sœur. C'est trop risqué. Pardonne-moi, Claire. Pardonne-moi, Claire, pardon. Eh oui. Il est parti au quartier général d'Umbrella. Et ensuite, ça sera l'histoire de Code Veronica. Aussi un super Resident Evil. Médaille de la licorne. Putain, on a des trucs. Leon. It's good to see you're still among the living. It looks like we're not gonna find your brother here after all. There's no reason for us to stay any longer than necessary. Let's split up. Look for any survivors and get out of here. Right. One last thing. Here's a radio. Take it. That way we can keep in touch if anything happens. I can't believe what is happening to this city. Je me souvenais plus que Claire nous rejoignait. Je me rappelle plus trop de celui-ci, hein. Ça vraiment longtemps le 2. Parce que le 1, c'est celui que j'ai refait le plus souvent, et le 2, un petit peu moins quand même. Le fax qui sonne, je crois que c'est avec Claire, alors quand on joue Claire. Ok, bon ben on a avancé quand même, mine de rien. Ça, j'ai été voir ou pas? Ok, ça fera ressortir par l'autre côté. Je referai des tests hein, pour voir si on arrive à capter les vidéos. Je referai des tests. Et en attendant... Je suis allé là? Je sais plus maintenant. Et en attendant, je ferai des montages, donc ensuite, après les lives, quoi. Je suis pas allé, là. Oh putain, bâtard. Lâche-moi. Oh la vache, je m'en plais plus de ça. Oh là. Ah bah si, je suis allé, là, sauf que... Je suis passé par un autre chemin. Et du coup, les angles de caméra étaient différents. Ah putain, la jouabilité de merde, mais non! Non, ça va, ça nous fait pas trop de dégâts. Il nous secoue juste. On va retourner au hall parce que je crois qu'il y a un truc à faire là-haut avec la licorne. J'ai toujours mes deux rubis là que j'ai pas posé.
déjà ça. Si je ne me trompe pas, inscription pour obtenir la clé qui prendra ton cœur. La belle liqueur, ben voilà, c'est bien, je me suis pas trompé. Les souvenirs reviennent. Ah ouais. Ah oui, c'est pas pareil que le remake. Hein. Clé capitaine, et ça c'est... C'est un pic, non? Mais c'est un pic. Non. Peut-être des portes qu'on n'a pas ouvert là-haut. Là, c'est fermé. Il y avait une autre porte qui s'est ouverte électroniquement. Celle doit être ouverte. Non? C'est laquelle qui s'est ouverte alors? Ah si, il y en a une ici je crois. Et oui, celle-là elle s'est ouverte. Blablabla. Rambo. Léo Rambo contre les zombies. Sont tous morts ? Ça leur emballasse, hein. Je vois pas s'il est mort ou pas. Bon, lui il est pas mort, c'est clair. Ah, il y a le coffre. Il y a le coffre ici. Ici. Ouais, je me souviens. Ouais, si tu veux. Ok, c'est juste ça. Bon, bah très bien, on a la carte du commissariat. Par contre, je suis blindé maintenant. Je peux plus prendre d'objets. Ça serait bien qu'on trouve une malle dans le coin. Oh, y a pas de malle. Justement, c'est ça le problème. Oh là 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 là. Comment on peut dire des choses pareilles? Y a pas des rubans encreurs qui traînent dans le coin? Tardez les... Zombie, il y a des spasmes. Bzzt. C'est bien foutu, hein. Ah, là, il y a un truc. Ah, il y a des rubans encreurs. Je savais qu'il y en avait, je savais. Et ça, il y a quelque chose avec ça, non? Le répondeur, là. Non, il y a rien du tout. Bref, bon, c'est pas grave. Continue notre balade. Non, il veut pas. On va pas tarder à croiser le tyran, non? Mister X? Un cœur. Bon, bah, va te faire foutre, quoi. Un cœur alors que j'ai le pic. Comme par hasard. Oui, on va croiser le tyran dans pas longtemps. Est-ce que ma mitraillette suffira? Il nous file plein d'herbes là, c'est pas bon. Putain, si je perds, c'est la mort. La porte est de l'autre côté, d'accord. Bah non, bah. Toujours pas. C'est vraiment... Au moment où il fait partie du décor.
paraît que c'est par là qu'on est venu. Je sais plus maintenant. Tu vas voir que c'est par là qu'on est venu. Je le sens. Quoique ça serait pas logique. Non, c'est pas logique par rapport à l'emplacement de la maison. Pas du commissariat. Carreau, cœur, et moi j'ai le pic. Vous m'emmerdez sérieusement. Hein. C'est quoi votre problème? Putain, l'inventaire est plein. Chier. Bon. Faut que je trouve une malle. Un trèfle. Oh là là, vous me faites chier. Ah, ça m'emmerde que l'inventaire est plein. Faut que je me souvienne qu'il faudra que je vienne ici. On va essayer d'utiliser la clé pique. On va essayer d'utiliser la clé pique. On sauvegarde, après on arrêtera là. J'ai bien avancé. Évidemment, hein, dans ce mode pépère tranquille, ça va aller vite. Hein. Après c'est le but de ces lives là, c'est de faire vraiment pépère tranquillou. Et le 3 ça sera à peu près pareil. À la diff. Ah bah voilà, t'as y'a de mal. Bon j'ai envie d'y retourner de l'autre côté. À la différence que dans Resident Evil 3, dans le mode arrangé, le mode spécial, la mitraillette n'est pas infinie. Voilà. Après je sais plus s'il y a des trucs aussi dans les mâles, je sais plus. Mais voilà. Et c'est des modes qui étaient sur les versions précédentes. Sur la version. Est-ce qu'il y en a pu aller là? Ah, bah parfait. Sur les versions après PlayStation, c'est-à-dire PC, Dreamcast, GameCube. Toutes ces versions-là, elles ont le mode arrangé. On a quelque chose à aller chercher. Ah, oui. La manivelle qui me servira à je sais pas quoi. Je crois à éteindre un incendie si je me souviens bien. Je suis de nouveau plein. Sinon au pire les rubis je vais les poser parce que je pensais qu'on devait les utiliser tout de suite. Apparemment même pas. C'est vrai que ça c'est exactement comme dans le remake, enfin c'est le remake est exactement comme celui-là j'ai envie de dire, plutôt. Ces bras qui viennent vous choper, mais j'avais oublié putain. Par là j'avais pas été voir, je crois que là. Carreau. Tu me cherches, hein. On va voir en haut s'il n'y a pas d'autre porte. Bon, ça là peut pas s'ouvrir. Là on a récupéré. Ça j'ai été voir. Voilà. Voilà. Je pense que si on la jette pas, on a des trucs. Oh, on s'en fout, allez on la jette. Si on la jette pas, on a des bonus normalement.
Bon appétit, mais le repas est terminé. Arrêtez un peu de bouffer. Oh putain, salopard! Flaf, éclatage de tête. Alors. Ah putain, il faut la petite clé. Par contre, je suis en train de... Ah oui, la bibliothèque. Trop la vache, on est... Il y a un truc à faire avec ça. Bon. Je ne sais plus. On va déjà continuer la visite. Parce qu'il y a plusieurs portes. Oh, il y a plein de portes ouvertes. Oh la vache. Il est 1h. En haut du commissariat, d'accord. On va tout de suite s'occuper de l'échelle. Ah putain, elle est pas là l'échelle encore. Merde. Transforme carré. Ok. On est complètement à l'entrée du commissariat au niveau du hall. Mais à l'étage. Oh putain, d'accord, ça fait peur. Oh bah là, je suis coincé du coup. La plaque de bronze, on est un portrait. Une plaque de bronze, on est un portrait. D'accord, c'est comme ça qu'il faut faire, ok. Les deux du milieu serrés et les deux au fond. Putain, je peux même pas prendre de photos. Voilà. Et chaque fois que je vais appuyer, ça va bouger le truc. Non, d'accord, ok. Alors, si je me rappelle bien, je bougerai celui-là. À droite, tac, celui à gauche. Non, qu'est-ce que je dis, à droite, putain, n'importe quoi. Mais un coup, tout simplement, vite fait, bien fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? J'ai de la place au moins, j'ai une place. Qu'est-ce que c'est? Prise fou. Ah ouais, il y avait tout un délire avec les échecs. Ok. Il y avait une autre porte. Celle-là. Et là, c'est quoi? Ces livres ont l'air parfaitement inutiles. Ok. Ah, retour au commissariat. Oh putain. D'accord, il y a encore. On est à l'étage du milieu, c'est là qu'il y a l'échelle. Ok, j'étais un peu en avance. Descendre ça.
sont où les zombies? Donc là, l'amélioration, c'est qu'il vise automatiquement les zombies, il se retourne quand il voit les zombies. C'était quand même quelque chose, quoi. Bon, on va pas tarder à s'arrêter. Oh, bah, sauvegarde en plus. Parfait. Ça, c'est quoi? Petite clé. Bon, on creuse direct. Ça va, il nous en donne assez. Journal numéro 1 du secrétaire. 6 avril, j'ai déplacé sans le vouloir une des statues du deuxième étage en un plus en dessus lorsque le capitaine s'en est aperçu, il a failli m'arracher la tête. Il y avait un point, putain, je sais même plus les ponctuations. Il a fallu que je jure que je ne toucherai plus jamais à sa maudite statue. Si elle a autant de valeur que ça, il n'a qu'à pas la mettre dans un lieu de passage. 7 avril. Il paraît que les œuvres d'art du capitaine sont très très rares et qu'elles valent des centaines de milliers de dollars. Je me demande ce qui est le plus étonnant, qu'il ait autant d'argent ou qu'il puisse dénicher des trucs aussi hideux. 10 mai, que le boss arrive ce matin avec un énorme tableau sous le bras, ça n'avait rien d'étonnant. En revanche, le sujet de la peinture et la tête d'Irons lorsqu'il l'a accroché au mur, ça valait vraiment le déplacement. Un horrible dessin d'un type nu en train d'être pendu et l'autre là tout content de son achat. Tout ça me déprime. Ah bah oui, bah. Les goûts, les couleurs, qu'est-ce que je vous dise moi. C'est comme ça, hein. Rien de mal? Ouais. Je sais même pas quoi poser parce que je sais même pas quand est-ce qu'on aura besoin de ces rubis là. J'en ai deux. On va sauvegarder. Un peu à chaque fois, créer un nouveau, créer encore un nouveau. Ok. Alors, je rappelle que nous jouons donc Léo, comme vous pouvez le constater. Et nous sommes en mode arrangé avec la petite mitraillette, mitraillette infinie, qui va bien nous être utile pour progresser dans le jeu. Alors on va poser ces putains de diamants rouges là, qui... c'est rubis, parce que franchement je sais pas où les utiliser pour le moment. Et voilà, donc on va faire de la place. Je suis sûr que maintenant que j'ai fait de la place, c'est être maintenant qu'on va devoir les utiliser. Bon, j'ai quand même joué avec le stick analogique. J'avais dit que la croix directionnelle c'est mieux. Ma manette doit être un petit peu usée parce que ben, c'est pas le top. Alors par contre, je sais plus du tout ce qu'on avait fait et où est-ce qu'on en était. À peu près quoi. Ah voilà, on était en haut. Ok. On est en haut du hall. Normalement, j'ai abaissé l'échelle pour aller plus vite. On va continuer à fouiller un peu partout. J'avais récupéré. Ah, cette musique elle est terrible, la musique des sauvegardes. J'avais récupéré une espèce de jeu d'échecs à la bibliothèque. Wow. C'est un nouveau coup, une nouvelle porte là que j'avais été. Je crois qu'il est pas mort. Non, je le vois plus. Je sens qu'on va avoir le tyran dans pas longtemps. C'est pour ça, s'il y a une vidéo où le tyran apparaît. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Je me rappelle plus du tout. Ah, oh, la liqueur. Non? Ah non, c'est des corbeaux. C'est un corbeau, il est mal fait celui-là. Non, il est mort. Ah ouais, putain, je me rappelais plus du tout de tout ça.
T'en as un autre. Ok, la voie est libre. J'ai débloqué une porte. Oh là là, oui. Là, je sens que Monsieur Tyran va arriver. Non, d'accord, ok. Je vois à peu près où je suis. Mais c'est une porte que j'avais pas accès tout à l'heure. Maintenant, j'ai accès, ça me permettra de revenir plus facilement dans le hall. Alors, oui. Oui. J'ai même pas eu le temps d'avoir des plumes partout. Un peu le temps de... Là. Allez, dégage. Ouah. Ouah, putain. Lâche-le, lâche-le. Mais putain, mais bouge. Mais c'est fou. J'ai le réflexe de chercher le chat. Je risque pas de le trouver. Mais c'est incroyable. Bon, on avait trouvé une herbe verte, on va la chercher tout de suite. Comment ça se fait qu'ils m'ont défoncé comme ça, les corbeaux? C'est un truc de dingue. Alors, vous avez vu, j'ai retrouvé un filtre anti-pop pour mon micro. C'est celui que j'utilisais pour la chanson. Et j'ai retrouvé... On va pas prendre ça, hein, ça c'est... J'ai pas eu autant de dégâts que ça. Et par contre, il est pas très adapté avec le snowball. Il est un peu gros, il faudrait un plus petit. Donc je pense que voilà, je finirai par me prendre une pince micro avec le filtre anti-pop fourni avec. Alors, poursuivons. Ah ouais. On va devoir utiliser la manivelle ici. Si je me souviens bien. Cet objet n'est pas utile maintenant, pourquoi? Valve régulant la pression, il y a écrit trop forte pression, on peut endommager la pompe. Mais normalement c'est ça qu'il faut faire pour... C'est pas la bonne. Forme carrée, il faut une forme hexagonale. Aïe aïe aïe. Ils se foutent de ma gueule en fait. On n'a même pas vu se crasher l'hélicoptère, donc j'y pense. On le voit se crasher avec... Y'a rien. On le voit se crasher avec... Avec Claire. Ils sont résistants quand même, hein. Bon, ils sont tous encore en vie. Celui-là aussi, il est encore en vie. Hein. Ah, je sais, y a pas la flaque de sang. Alors, je sais pas si je vous ai dit, mais j'ai testé pour Resident Evil 3. Ça sera possible de faire les lives avec. J'ai testé Resident Evil 3, il n'y a pas de problème de capture de vidéo. Je sais pas pourquoi ça fait ça sur cette version. Je rappelle qu'on est sur la version PC. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un abandonware, on peut le retrouver gratuitement sur... Ah ben voilà ce qu'il faut. Non, ça j'ai pas besoin. Par contre, ruban creur, oui. Parfait. Est-ce qu'on a accès à là?
Il y a du monde. Bonjour. C'est bon. D'accord, pas de question de sortir, c'est trop dangereux. Tu sors. C'était pas mal, ça me disait quelque chose. C'est bon, la webcam, elle est un peu dégueulasse. C'est dommage, putain. Sans être obligé de régler. Bon, là, c'est pas grave, tant pis. Ah, je vais quand même regarder ça me dérange. Voilà qui est mieux, elle est casse-pied cette webcam. Cette webcam, elle est casse-pied. Bon, il faut qu'on coupe l'incendie de l'hélicoptère. Et on sait tous que c'est dans le coin là que va arriver Monsieur Tyran. J'étais sûr que j'étais pas assez proche. Oh putain, je l'ai encore. Oh la vache, ça craint. Prendre d'objets du coup. Et là ça va me servir pour faire le tour. Je crois qu'il y a un endroit qui est en feu. Et maintenant je peux passer. Je crois que cet endroit. J'aurais même pu vous dire où c'est. Ah là là. On a mis encore des monstres qui vont arriver. Il va pas se relever lui. Non. Il doit être en haut. Il est à l'étage. L'hélicoptère en feu là. Ouais, c'est par là. C'est par là. Oh putain! Merde! Ah, il m'a surpris. C'est bon. Quoi, je suis déjà blessé hein. Oh putain, c'est pas juste. Ah, je me souviens du remake, c'est pour ça. Ah, j'ai pris cher. Oh putain, je peux plus prendre d'objets, chier. Oh, non, c'est une blague. Ah, oh, je suis dégoûté. Celle-là, il y a écrit Tyrannos reprendra vie au cœur des deux lumières. Eh bah oui, eh bah oui. Eh bah oui. Et on sait ce que c'est, ça. Ah là 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 là, bon. Il faut rechercher la malle. Ah oui, d'accord, un petit bug là. On a traversé un peu l'hélicoptère. Il n'y a pas une herbe là? Bon, on verra après. Donc je disais, là on est sur la version PC, donc Abandonware, vous pouvez télécharger, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et le 3, ce sera pareil, ce sera un Abandonware. Bon, ça va, on a un côté... C'est parfait. Bon, tant pis pour la petite clé. Ça prend deux places. C'est pour ça que j'ai moins. Et je garde toujours du soin au cas où. Ah, je me suis trompé de porte. J'ai tourné en rond, vous avez pas vu, mais voilà, j'ai tourné un petit peu en rond, donc retour ici, on a fait de la place. Voilà, on a fait de la place, on a récupéré les deux petits rubis qui vont me servir ici. Voilà.
Attends, quoi? Ah non, ça va ici alors. Bah oui. Parfait. Et l'autre va ici. Alors je dis qu'on n'a pas les vidéos, et celle-là on l'a. Alors on va comprendre. C'est n'importe quoi. On récupère la clé en forme de carreau, j'ai envie de dire, si je me trompe pas. Plus une nouvelle pièce. Oh, je sais plus du tout à quoi ça sert. Je crois que c'est pour beaucoup plus tard. Et on va tout de suite les remettre. Ouais, on va les remettre dans la malle. Et je pense que maintenant on va. Toujours pas. Je ne sais plus du tout quand est-ce qu'il apparaît. Je ne sais plus du tout quand le tyran apparaît dans cette version d'origine. Et je vous avouerai que je suis légèrement en panique. Mon sort ramène dans la malle. Ça, je sais pas à quoi ça sert, je sais plus du tout. Est-ce que ça va nous être utile? Je ne sais pas, parce qu'on a quand même les munitions infinies, donc... Voilà, pour le moment, non. Maintenant, il va falloir chercher les autres portes. Et si je trouve de l'herbe verte, je profite pour en prendre. Par contre, quelles sont les portes que nous n'avons pas ouvertes? Ça, c'est une grande question. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller au rez-de-chaussée. Alors, vous savez quoi? On va passer par l'autre côté. Ça sera plus simple. Comme ça, je prendrai l'herbe verte au passage. Par contre, je suis perdu, parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ce jeu, je me souvenais plus du 1. Même si j'ai fait la remake, il y a quand même des différences avec... avec cette version-là. Ouais, c'est là que je vais aller, ok. Ça va rejoindre le rez-de-chaussée par là, et je pense que les portes ne sont pas loin. Voilà, ok. Bon, il a l'air d'être mort. Ah oui, on est ok. Là, ça s'ouvre. C'est fermé. Et merde, un cœur. Donc déjà une qu'on peut pas ouvrir. Va remonter. D'accord, violet, normalement c'est bon, si je suis la logique. Exactement. Donc il faut sortir. On va voir. On va remonter par là. Si je me trompe pas, c'est là, on arrive à un couloir, on va tomber sur les portes qui sont encore verrouillées. Voilà, elle est tout au fond, il faut remonter. Non, c'est pas là. Voilà, par là. Normalement, c'est par là. Si je me trompe pas.
crois que c'est celle-là qui est fermée. Et la magie des yeux. Hé, je le savais. C'est une prison. Qu'est-ce qu'on a ici? Cordon. Ok. Je me souviens plus du tout. C'est un truc de fou. Je me souviens plus du tout. Ah, il y a un délire avec, avec la porte. Et encore... un truc de jeu d'échecs. On va se faire attaquer sur lui. Casse-toi. C'était obligé. Le problème, c'est que je suis passé vraiment à côté de la fenêtre, du coup, ça va, je suis encore ok. J'ai pas besoin d'autres soins. Et on peut passer par là, je pense. Non? Non, on peut pas. Et si on a déjà accès à la pièce, je crois. Eh bien, il m'a fait peur. L'autre pièce là, on a déjà accès, je crois. Qu'y a-t-il qui brille ici? Qu'est-ce qui brille sur la table? Ah, les petites clés. Ouais, les petites clés, on s'en fout un petit peu. Bon, si on veut faire le jeu à 100%, il faut prendre des petites clés. Je me demande si avec Claire, il n'y a pas un passe-partout. Et là, je crois que c'est fermé aussi. Un trèfle, tiens donc. D'accord. Donc là, faut faire tout le tour, retourner au hall. On va aller chercher l'autre porte fermée. Ah, c'est de la promenade, hein. C'est... on se promène dans tout le... dans tout le bâtiment, parfois des taches de sang, des trucs un peu dégueux. On a encore de l'herbe verte là-haut. Le hall, c'est par là, je crois. Je sais même plus. Non, c'est juste. J'ai hésité. Donc là maintenant. Donc on a descendu la petite échelle. Hein. Je dirais que c'est par là. Putain, j'ai un doute. Et pour arriver tout en haut, tout le tour du couloir. On va se faire attaquer par quelque chose, c'est obligé. Est-ce qu'on a des trucs à déposer? Oui, ça, parce que je pense pas que c'est pour tout de suite. Le cordon dans l'immédiat, je le garde. Je pense que... souvenir de notre première rencontre avec le liqueur. Ah, ici, c'est chiant parce qu'il essaie de nous choper. J'ai la fenêtre qui est juste là, alors j'espère qu'il y a la liqueur qui va sauter dans ma salle à manger. Je suis en train de me faire flipper tout seul en fait. Mais ça va, sur le remake plein de pixels, je peux un petit peu me la péter. Je vous ferai pas ça sur l'origine, je veux dire. Sur l'origine plein de pixels, je peux me la péter. Sur la version remake, non. Je ferai dans le froc. Ah, ça serait par là. Parfait. Ouah.
c'est Rambo. Hein. Putain, vous arrivez ici sans les... Il y a encore un vivant. Non ? J'entends marcher, mais je sais pas où il est. Putain, vous arrivez ici, mais sans vos armes, vous êtes... Viens ici, mon gaillard. Est-ce que c'est fermé par là? J'ai déverrouillé une porte encore. Ok, on ira voir tout à l'heure où ça mène. Pourquoi je le touche pas? T'es encore un. Non, c'est bon. Ah ben, quelle boucherie. Mais il y a quoi à voir ici? Ah ben voilà. Fil. Ouais. C'est tout? Enfin, le truc photo, je sais plus où il est. Il y a rien là? Non. Bon, ça on a déjà. Enfin, on n'a pas besoin quoi. Impossible d'ouvrir, la serrure est cassée. Ah ouais. Ok. Très bien, très bien. C'est une affaire qui roule. Je sais pourquoi on m'entend un peu moins avec le micro. C'est parce que j'ai oublié d'activer... Ah oui, il se transforme en zombie, lui, je crois. Allez. Ah, t'as pas le temps de reculer. Mais c'est parfait. Et là, on avance vachement bien. Par contre, il faudra peut-être quand même que je sauvegarde parce que... C'est pas bon. Du coup, on va pouvoir déverrouiller la porte par là. Génial, génial. Là, on a vachement lancé, je suis content. Ouais, le micro, j'ai oublié d'activer le fameux logiciel que j'ai à part pour... chaque fois, j'oublie, c'est un truc de fou. Bon, on entend quand même bien, ça va. Avec le logiciel, c'est encore mieux. Alors, le truc de photo, il est où? Alors ça, je m'en rappelle plus. On va aller par là. Je suis où? Ah, la clé cœur, elle est complètement de l'autre côté. Est-ce qu'on fait le film photo? Ou la clé cœur? Bon, la manivelle là, voilà, laissez-la pour le moment. Allez, on va aller déverrouiller avec la clé cœur, j'espère qu'on aura une malle pas très loin. Putain, faudrait pas que je meure, sérieusement. Je suis comment? Je suis faible. Moi, j'essaie de trouver. Si je meurs, je serais dégoûté. On va sauvegarder quand même, par sécurité. J'ai un petit peu peur. J'ai vraiment un petit peu peur. Il semble qu'il y a un point de sauvegarde ici. Il y a la malle, mais est-ce qu'il y a. Ah non, il y a même pas. Chier. Bon, c'est pas grave. Prochaine fois qu'on croise un truc de sauvegarde, on y va. On
Ici, il y a que les cœurs. Et c'est tout. Attendez une minute. Ouais. Ok. Il fallait pas. Et là, je crois qu'il y a de l'herbe, de toute façon. Je vais quand même me soigner. C'est ok, mais limite quoi, un peu le moindre petit truc. Et je me fais... Désolé, je suis tout le temps en train d'aller voir la carte. Ah oui, c'est pas le bon. Je suis tout le temps en train de devoir me soigner. Mais je suis en ok, mais à la limite du faible, je pense. C'est pour ça que dès que je prends un coup, je passe en faible. Puis tu ressens encore plus avec... Ouais, c'est par là, je crois. Tu le ressens encore plus avec le fait qu'ils se tiennent comme ça. Ben voilà, c'est bien, ça fait du ménage. Ok, une herbe verte. Bon, on a déjà le truc si on se fait vraiment défoncer. On va se faire attaquer, c'est sûr. Sert le cordon. Eh ben on se fera pas attaquer normalement. Ok, c'est une sauvegarde ça si je me rappelle bien. Un trèfle, ok. Je suis... Où ? D'accord, ouais, j'ai pas le trèfle encore, ok. Donc, descendons. Ça me rassure qu'à moitié, mais c'est pas grave. Oh là là. Me dis pas que c'est des chiens. C'est ou des chiens ou des liqueurs. Ou des araignées peut-être. J'aime pas ça. Des chiens. Ah, salaud. Putain, ils attaquent de côté. Loupé. Putain, ils sont trop rapides. Meurs là faible. Putain, c'est pas vrai. Lecteur de cartes. Oh la vache. Eh oui, d'accord, on arrive au parking. Ok. C'est pour ça qu'il y a les chiens et tout. Ah, saloperie de bestiole. J'avais dit qu'il me fallait une sauvegarde. Je passe mon temps à bouffer de l'herbe. C'est pas très sérieux ça. Panneau de contrôle, réserve d'énergie. L'énergie peut être dérivée vers les zones en sous-tension grâce à 5 interrupteurs. Une surcharge risque de créer un court-circuit et couper l'alimentation générale. Oh là! On verra bien.
Putain, premier coup. Oh la vache, j'ai pas fait exprès. Mais sérieusement, j'aimerais sauvegarder. Donnez-moi un point de sauvegarde, pitié. Là, c'est le parking. Sérieusement, je suis en panique. Là, il y avait quoi? Là, c'est là d'où je viens, je crois. Ouais, c'est là d'où je viens. Oh là là, et... Salle d'autopsie, c'est fermé. Ok, c'est aussi le trèfle. Waouh, je me rappelle plus du tout. Et je suis pas rassuré du tout. Oh non. C'est chiant, putain. J'ai eu aussi ou pas? Ouais. Ah là 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 là. Ouais, les égouts. Passer maintenant parce qu'on va avoir un boss. Putain, je suis en train de faire tout d'un coup. Bouche les goûts, descendre par l'échelle. Pas tout de suite, on va aller voir l'autre truc. Pas tout de suite. Pas tout de suite, tout de suite. Quand on sait que c'est par les égouts, je sais qu'il y a un boss dans les égouts. On va d'abord aller voir ce qu'on a ouvert. On a fouillé un petit peu partout. Ça, on n'a pas accès. On va aller voir par là. Ah bah, bah non, on va pas voir par là parce que le lecteur carte fonctionne mais j'ai pas la carte. Il y aura des chiens aussi, je le sais. Je le sais qu'il y aura des chiens. Sorry about that. When I saw the uniform, I thought you were another zombie. Who are you? Ada Wong. And what are you doing here? I'm looking for some guy named Ben. He's one of those reporter types, always looking for a scoop. I heard he was locked up in the cell block, only there's a wrecked car barring the entrance. I've been trying to find another way inside. If we work together, we can move this thing. Give me a hand here, will you? Mais bien sûr. Alors, est-ce que c'est la Ada Wong? Je sais pas si vous vous souvenez, dans le Resident Evil 1, il y avait un... Comment dire? Il y avait un texte qui parlait de Ada Wong. C'était le père d'Ada Wong qui travaillait pour Umbrella et qui parlait de sa fille. Et je pense que c'est elle. Vraiment. Allez, on pousse le camion. Frein à main desserré, mais c'est trop lourd. On a de l'herbe verte. J'étais juste pas bien placé. Très bien, allons-y.
Je sens que je vais me faire défoncer. Là aussi, je crois qu'il va y avoir un monstre. Ada, wait! Est-ce qu'il y a une sauvegarde? Oh là là, non. Mais c'est où, encore une fois? Joujou, il s'appelle. Joujou, il s'appelle le chien. Ok. Eh ben, les dents, il y en a des choses à faire encore, c'est un truc de fou. Je pensais trouver une salle de sauvegarde, eh bien non. Et c'est de là d'où je viens, je crois. Oui. Désolé. Ça, c'est nul. Un panneau pour activer la serrure. Ouais. D'accord, c'est ça la porte. Le truc à jamais faire, hein, entre une cellule comme ça. Le mec il arrive derrière, il ferme la porte. Ah voilà, bisous. Let me guess. You must be Ben, right? Get up, now! What do you want? I'm trying to sleep here. Is this the guy? Ben? You told the city officials that you knew something about what's been going on, didn't you? What did you tell them? And who the heck are you? I'm trying to find my boyfriend. His name's John. He was working for a branch office of Umbrella, based in Chicago, but he suddenly disappeared 6 months ago. I heard a rumor that he's here in the city. I don't know anything. And even if I did, why would I want to tell you? Okay, I say we leave him in there. Does anyone know where they put the key to this cell? I have it right here, officer. But I'm not about to leave this cell. Those zombies aren't the only things crawling around out there. What was that? Like I said, I'm not leaving this cell. Get out of here before you lead it right to me. Hey, I'm not going anywhere. I'm the only cop left alive in this building. What? Look, if you want to live, then you're gonna have to leave with me. But do you even know how to get out of the city? There's a kennel in the back of the building. Inside the kennel is a manhole. Go through and it'll lead you to the sewer entrance, but it won't be easy. All right, I'm going. D'accord, donc ça c'est les égouts qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on a quelque chose. Ah bah. Forcément. Et là, ce qu'on a entendu, le cri, c'est pas le tyran, c'est William Birkin, il me semble.
Par contre, là, dès qu'on va trouver un point de sauvegarde, on va sauvegarder, on s'arrêtera là pour cette vidéo. C'est un chargeur ou la carte, ça? C'est un chargeur. Donc les égouts, c'était par là, je crois. Je sais plus, et je commence à me perdre, en fait. Tiens, là aussi, il y a les égouts. Je crois pas que c'est ceux-là. Si, c'est ça. C'est pas cela que je pensais, mais bref. Ça va, on n'a plus besoin de la barre. Allons-y. Oh putain, t'es sérieux? Oh non. Alors ça, c'est ce que j'ai le plus horreur. Ça, c'est ce que j'ai vraiment le plus horreur, les araignées. On a le plan, là, je pense. Non, je croyais. Une sauvegarde, s'il vous plaît. Oui, oui. Des rubans encreurs. Et la petite sauvegarde qui va bien. Réserve G. G comme le virus G. Ah, ça me paraissait incongru. Je pense avoir fait plus de sauvegarde. Ok, ben, on risque de devoir en faire plus dans peu de temps. Voilà tout ce qu'il faut, là. Alors, attention. Ah, c'est fermé, là? Ouais, c'est par là que je viens. Ok, je m'en souviens. Bon, on devrait être pas trop mal. Je m'en souviens, c'est vite dit. Par là, qu'est-ce qu'on a? C'est par là qu'on n'a pas été. Ok. Ici, il y aura un boss à un moment donné. C'est pas maintenant, j'allais dire. Tableau a servi à avoir un verrou. Ok! Sur les petits vivants, sur les prises. Serré. Insertion, prise roi, prise tour, prise fou, prise cavalier. D'accord. Donc on va aller chercher tout ça. Là, il n'y a rien d'autre. Ah bah, c'est parfait. On va chercher tout ça. I don't think I've introduced myself yet. My name's Leon. I'm with the RPD. It's a dead end. You think we can get upstairs through this shaft? Give me a boost. I'll go and check. Et voilà, et c'est ça que je redoutais. Je m'en doutais. On va devoir jouer Aida. Donc là, on l'avait rencontré dans l'autre vidéo, hein, dans le souterrain du commissariat, dans le parking. Et on a retrouvé Ben. Oh non, non. Ça, j'ai horreur. Non, non, non. Oh.
Putain, il est résistant. Putain, c'est une blague. On peut pas recharger ? Oh merde. Qu'est-ce que... Photo de qui, là ? Ada et Joe... Ah bah oui. Alors là, et... Clairement, c'est ce que j'avais dit lors de la dernière vidéo. Dans Resident Evil 1, souvenez-vous, on retrouve un document qui parle de John, un document de John qui parle de sa fille, Aida, et qui lui écrit une lettre d'adieu parce qu'il travaillait chez Umbrella. C'est vraiment la fille de John. Donc là, maintenant, ce personnage, je le comprends encore mieux en refaisant... le Resident Evil. Oh putain. Donc là, j'ai mis le mode... On est dans le mode arrangé, hein, c'est pour ça que je rappelle hein, qu'on a les trucs tranquilles. Mais là, on a les armes illimitées. Mais là, avec Aida, bah, c'est pas le cas. Et c'est ça que j'avais peur. Un plan. Carte des égouts. Ça. Je n'aime pas ça parce que là, il n'y a plus question d'être tranquille pépère. Faire un passage. Et ben voilà, c'est là. Aïe 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 aïe. Voilà, je suis à Kaida, je prends ça. Après, est-ce que si j'accède mal, j'aurai mes fameuses armes illimitées? Ah, je croyais qu'on pouvait monter là. T'es sérieux? Quoi, y'a rien du tout? Descends pas, je veux dire. Ah, par là. Ah bah oui, par là. Pff, oh là là. Désolé. Désolé, je suis ridicule. Ouais, avant de pousser quoi que ce soit, on va pas faire de conneries. Ouais, faut faire ça. La jouabilité, c'est un peu infernal. Normalement, on est bon. Voilà, UMB. Ouais, j'aime. J'ai même pas de ruban en creux, hein. Alors je rappelle qu'on est sur la version PC, hein, évidemment. C'est pour ça que c'est un peu plus joli. Version PC, vous pouvez la retrouver en Abandonware sur le site, donc www.abandonware-france.org. De manière légale, c'est pas... Et voilà. Ah, c'est que 13, d'accord. 13 coups. Ok. Il y a encore des... Ça pue. À mon avis, on va se faire attaquer. Il y a encore des pièces fermées dans le commissariat. Donc là, je retourne là-haut, c'est ça ?
Leon, can you hear me? Ada, did you find anything? Right here. Think fast. Here's one more. Hey, I can't reach the ventilation hole. I'm going to have to find another way around. I'll catch up with you later. What? Ada, wait! Putain, c'est Wong. C'est pas Ada, wait. Bon, bah, bon, les munitions, on s'en fout un petit peu, non? Voilà, la clé, oui. Les munitions, c'est pas mal. Bon, bah, c'est très 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 bien. Tout ça est très bien. On va quand même mettre les pièces... Ce qu'on va faire, on va faire ça. Je pense qu'on ira lire ça, je crois que c'est au commissariat qui a le truc pour lire les films. Ah, c'était un bonheur les Resident Evil. J'attends avec impatience le 8. Peut-être les mettre dans l'ordre. Roi, tour, fou, cavalier. J'ai pas tout encore. Roi. Tour. Fou. Il me manque cavalier. Donc dans tous les cas, j'ai pas tout. Donc on va retourner au commissariat. Pour ouvrir les portes qu'on n'a pas pu ouvrir. Faut qu'on s'attende à avoir des monstres, à mon avis. Ah, l'ambiance, bordel, c'est génial, quoi. C'est génial. C'était ouf, ouf, ouf. Alors, par où aller? C'est ça que je sais plus, maintenant. Panneau pour activer la serrure. On dirait que le verrou est ouvert. Ah, je devais récupérer la carte pour libérer Ben. J'arrête quand même. Qu'est-ce qu'il y a ailleurs? S'il n'y a jamais des trucs que... Voilà. Bon, c'est de l'herbe verte. Bon, on est bien, ça n'a pas besoin pour moi. Ok. C'est quoi ça? Ah putain! Mais pourquoi tu... Petit liqueur, pourquoi il le touchait pas? Alors ce serait pas ouf. Je crois que c'était par là ouf. Maintenant, eh ben, eh, aïe.
peur le coup de jus. Déjà une. Je l'avais dit, je me souviens qu'il y avait une tout proche dès que je l'avais. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, pas besoin. Si je prends pas l'arme, il se réveille pas. Pas besoin non plus. Ah, on est en mode tranquillou, hein. Quoi, y'a rien d'autre? Non, où est l'autre pièce? Et attends. Ok. Putain, il me fait peur toujours ce coup de jus là. Il y a une porte pas loin. Qui nécessite... Ok. J'essaie de me retrouver. Hop, on fait tout le tour. Je pense que dans pas longtemps, je vais mettre les lives à la fois sur Twitch et YouTube, comme pour les lives de gaming. Les lives rétro gaming seront faits de la même façon. Je crois que c'est là-haut. Ouais, tout au bout du couloir. C'est celle-là. Je crois que c'est le bureau du chef. Même pas. Oh, on a quelque chose là, un engrenage. Qu'est-ce que quoi? L'image d'un homme sur un char, il y a quelque chose sur la roue. Allumez la reine, le roi et le valet pour que le char avance. Encore un film. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Ah, ils sont là. Le roi, la reine et le valet. Mets-toi en face. Quelqu'un a gravé le chiffre 11. Chiffre 12, ok. Chiffre 13. 11, 12, 13, ok. Allumer un feu ici. Bah ouais, pourquoi pas. Vous savez quoi, j'ai l'impression que j'ai mis les... Bah non, j'avais fou tour et machin, ça n'a rien à voir. C'est bizarre. Et la sauvegarde, elle est là. Ouais, ça va, ça va, ça va. Tout doucement, je me repère. Et ici, je crois qu'on peut faire les films. Ouais, ici, là, j'ai eu peur. J'ai eu un moment de doute. Film B.
Ici, devant Haruka, le patient a mis 2 heures à atteindre le stade de zombie. Le sujet se plaignait constamment de démangeaisons épidermiques et d'un sentiment aigu de nausée. Ses troubles ont disparu lorsqu'il a perdu connaissance. Photo Ben Bertolucci. Ah bah, c'est notre journaliste qui enquêtait. Ah oui, bah, je crois que c'est lui qui m'a donné le film. Oh. Oh. Film A. Code G, expérience sur le corps humain. C'est quoi, 15 octobre? 15 septembre? 15h24. Le 15 à 15h. Je connaissais le 7 à 7h, mais pas le 15 à 15h. Eh ben, on n'a pas avancé. Du tout. C'est quoi cette histoire de 11, 12, 13, là? J'ai rien du tout là-dedans qui pourrait m'aider à régler cette énigme. On va aller voir à l'étage s'il n'y a pas d'autres... C'est quelque chose d'incroyable, je ne sais pas. Il n'y a vraiment aucun indice nulle part. À part ces 3 trucs là. À part dire quel pagaille, c'est tout ce qu'il dit. Et j'ai rien à mettre là-dedans. Bah je vais retourner... Je vais retourner chez Ben. Je vais retourner dans le souterrain. Voir si... Encore fouiller, s'il n'y a pas des trucs que j'ai loupés. Je suis peut-être remonté un peu trop vite. Et sinon, on s'arrêtera là. Et j'irai rechercher... Là, elle est. C'est l'autopsie. Et voilà. Et voilà. Quand même. Oh purée. Oh putain. J'aime pas ça. Oh non. Oh là là. J'aime pas ça du tout. Heureusement que j'ai l'arme qui va bien avec. Je vois même pas ce qui se passe, mais je mitraille. Toujours là. Bon, on a la carte de la salle d'armement. On s'était sûr d'aller tous se réveiller. C'était sûr et certain. La salle d'armement. C'est ça, non? Eh oui. Plein de munitions que je n'ai pas besoin. Oh, mitraillette et une sacoche. Je pourrais porter plus d'objets avec la sacoche. Prendre l'un ou l'autre. Ah, la sacoche. Automatiquement, direct. J'ai pris la sacoche. Oui. Ah, comme ça, oui, là on a la place. Là c'est tip top, déchet tip top. Et tu vas me dire que c'est tout ce qu'il y a.
C'est une blague. Alors là, par contre... Non, on la laisse à Claire. Ah d'accord. Putain, je suis dégoûté, y a rien d'autre. Alors là, on a utilisé la clé, toute la clé, mon capitaine. Je savais qu'il y avait un autre accès aux égouts. Je le savais. Et cet accès, il est ici. On est bientôt à une heure de live. Rien quoi, rien du tout là. Si. C'est peut-être une sauvegarde ça, donc on va peut-être sauvegarder quand même. Je le savais. Je fais le cake alors que bon. Alors on a plus de place là. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre des trucs en plus là? Alors là, maintenant je peux m'amuser avec les clés. Je sais même pas si ça servira tout ça. On va garder une petite clé s'il y a besoin. Ouais. Crée un nouveau. Qu'est-ce que j'ai... Y a pas de ruban encreur qui donne ici? Pardon, tiens au toto. Bon, 14, ça va. On va quand même voir qu'est-ce qu'il y a un petit peu aux alentours. Soit on progresse et c'est cool, soit on arrête là. Mais je sens qu'il y a un boss donc voilà. Vous foutez de moi. Non, vous foutez de moi. Alors là, on est dans les égouts. Un petit peu plus loin dans le jeu. Et on va tout simplement repartir dans notre salle où on était coincé. C'est parti, on se retrouve là-bas. Et nous voici devant la salle, on y va. Alors je rappelle ce qu'on cherche, c'est ça. Il faut qu'on récupère le petit engrenage qui va nous servir dans la tour. On a déjà été, hein, notre vidéo. Et en fait, ici, c'est ici qu'il fallait faire quelque chose. On a, voilà, allumé un feu ici, pour l'interrogation. Et moi je me suis dit que... Voilà, c'était juste que le jeu nous disait faut pas le faire, en fait. Non, j'ai complètement mal interprété les trucs. Il faut faire ça. Voilà, et si vous vous souvenez d'énigme, il parlait de chiffres, de reines avec... quand même aller voir, comme ça vous allez comprendre. Voilà, il y a quelque chose sur la roue. Allumez la reine, le roi et le valet pour que le char avance. Et ici, à chaque fois, il y a des chiffres, et je pense que ça correspond aux cartes... voilà, chiffre 13, aux cartes Dame, Roi, Valet. Mais ça, je l'avais déjà dit dans l'autre vidéo, hein, que ça correspondait à mon avis à des cartes, mais voilà, je pensais... Je comprenais pas pourquoi on pouvait pas appuyer sur les boutons. Bon, en fait, c'est simplement parce que... Et voilà. Tout simplement. C'est simplement parce qu'il fallait allumer ici avec... Comme quoi, un détail. Hein, ça, je le savais. Hein. Et là, maintenant, vous allez voir, ça va aller beaucoup plus vite. Hein. Donc, on récupère notre petit engrenage. Voilà. Roue dentée, dorée, dans l'inventaire. Et elle va monter à la tour. Pour activer, activer tout ça. Faut que je retrouve le chemin par contre.
Faudrait que je retourne dans le hall. Voilà, donc on va faire carrément tout le tour. Quand je regarde les graphismes, même si on est sur une version PC qui est un petit peu plus améliorée que la version PlayStation, c'est quand même impressionnant. Pour l'époque, c'était vraiment un truc de fou. Ah, cette musique, la musique du hall du commissariat, c'est excellent. C'est excellent. Tan 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 tan. Ah, c'est encore plus haut. Comment fait-on pour aller encore plus haut? C'est par là, je crois qu'on va arriver à la bibliothèque, si je m'abuse. Voilà, tout simplement. Comme j'ai déjà fait le ménage un peu partout. Alors je le fais pas en live, hein, je rappelle, c'est parce qu'on a des petits soucis d'encodage pour les vidéos. Quand le jeu met une vidéo, ça fait un écran noir. Je vous le répète à chaque fois, mais voilà, je vous le redis. Et normalement, on devrait avoir une vidéo dans cette partie du let's play. Et voilà, et là, on met en route l'engrenage. En forme de carré. Et il me faut la manivelle. Eh, c'est en haut. C'est en haut. Ok, on va chercher la manivelle. Et voilà, je suis reparti chercher la petite manivelle qui était dans ma malle. J'ai pris ça avec parce qu'on en aura besoin plus tard. C'est parti. Oh, à chaque fois je me trompe de touche, désolé. Ah, et en plus la manivelle reste là, donc c'est parfait. Du coup, elle s'enlève de mon inventaire, ça c'est très bien. Allez hop, on grimpe. Et on va pouvoir utiliser ici, voilà, le petit engrenage. Et c'est parti. Et voilà le travail. Et là, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la dernière pièce qui nous manquait pour ouvrir la porte. Un vieux coup de génération sauté, et on va sauter. Tac, raccourci. Je crois qu'il nous a à l'œil. On vient... Je crois que notre ami Ben, le journaliste, hein, vient d'avoir la visite de notre cher William Berking. On va aller voir ça. Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this! I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Oh, get that scum.
scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest! It's burning! What's wrong? Terrible, hein? Pour l'époque. Good God, what was that? Courrier au capitaine. Alors, je sais pas pourquoi il a eu cette lettre d'un coup. Est-ce qu'elle est tombée de la poche de William? Je ne sais pas. Pour Brian Irons, capitaine de la police de Raccoon. Suite à l'action terroriste du dissident Albert Wesker, le labo du manoir n'est plus utilisable. Toutefois, son acte ne devrait pas avoir de conséquences graves sur les recherches du virus. En revanche, les survivants du STARS représentent une grave menace. S'il apparaît que les agents Redfield, Valentine, Burton, Chambers et Vickers sont au courant de nos activités, il est impératif de les éliminer de manière accidentelle. Accidentelle, j'adore. Continuez à les surveiller et assurez-vous qu'ils ne communiquent pas leurs informations à la presse. Annette restera votre intermédiaire dans cette affaire. William Birkin. Pour Brian Irons, capitaine de la police de Raccoon. Comme convenu, j'ai pris soin de transférer la somme de 10 000 dollars sur votre compte suite au service rendu. L'élaboration du virus G qui remplacera les virus T est presque terminée. Donc là, on apprenait tout, en fait. Bon, 10 000 dollars pour des affaires aussi énormes, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas cher payé, hein. Je pense être nommé au conseil d'administration d'Umbrella une fois la production du virus lancée. Une seule ombre au tableau, la présence de Redfield et des autres membres du STARS qui refusent de lâcher l'affaire. Je compte sur vous pour bloquer cette enquête et les empêcher d'infiltrer notre centre de recherche souterrain. William Birkin. Pour Werner Hans, capitaine de la police de Raccoon, nous avons un problème. On m'a informé que la direction générale d'Umbrella a envoyé des espions pour s'emparer de mes travaux sur le virus G. Le nombre de ces agents est inconnu. Je bafouille de situation. Il n'est pas question que je les laisse s'emparer du travail de toute une vie. Fouillez chaque recoin de cette ville. Ne négligez aucune piste. Éliminez au plus vite le danger que représentent ces espions et tenez-moi au courant via Annette. Personne ne volera mes recherches sur le virus G. Pas même Umbrella. William Birkin. L'ambiance de ce jeu est géniale. Comme... Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait! Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Eh ben, c'est excellent. On a avancé. Je vous avais dit, hein, dès qu'on commence à débloquer, ben, ça avance. Ça avance rapidement et on va pas tarder à avoir un boss. J'espère juste qu'on va pas perdre. Donc, allons-y. Normalement, c'est par là. Je suis un peu perdu parce que je fais plusieurs jeux en même temps. Allons-y, dans l'eau. Plouch, plouch, plouch. Voilà, et là je crois qu'on peut sauvegarder. Et oui. Est-ce qu'on sauvegarde ou pas? On va jouer la précaution, on va sauvegarder quand même. Allez, on y va, tant pis. On n'aura pas un bon score au niveau des sauvegardes, c'est pas grave. Mais au moins, on va aller poutrer ce boss. Donc là, c'était Ada qui était venu par là, et le boss est ici. Je vous présente le virus G dans toute sa splendeur. Putain.
comme il est mignon. Ah putain, c'est de la merde ça. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Oh putain. Lâche-moi, j'ai pas pris de quoi me soigner. Je suis dans un coin, c'est pas bon. Il est résistant, hein. Voilà. Oh non! Je suis faible. Oh putain, il me grimpe toujours dessus. Lâche-moi. Ah ça va, au bout d'un moment il meurt. Bon, on a fini avec ce boss. On va essayer de trouver de l'herbe verte. Fond, fond. Ouais, il y a encore l'œil qui bouge et tout, c'est génial. C'est super bien fait quand même. Bon, on va mettre notre petit cavalinos. Voilà, on va aller se soigner quand même parce que... Non, t'es sérieux? Oh ouais, mais non, mais moi je pensais que je les avais tous tués là. Ça c'est pratique. Donc à noter, vous passez une porte et vous êtes sauvé. J'ai pas envie de prendre... par rapport à... ce que j'ai eu. Ah, j'ai rien du tout comme de quoi me soigner. Alors, à prendre ça, on va être bien plus... On verra si on trouve de l'herbe verte en chemin. J'espère que les créatures sont parties. Elles sont parties. En fait, il y a des gens qui font le ménage pendant que tu sors. Hop, il y a une équipe qui vient. Ada. What was that all about? Running off like that was reckless and stupid. Those zombies are everywhere. Not to mention that thing that got Ben. I was there, Leon. I know. Look, Ada. As an officer, it's my job to look out for you. But we're not going to get through this alive if we don't work together. Okay? All right. We'll do this your way for now. Excellent. All right. Allons-y. On va s'enfoncer dans le laboratoire. Donc, pas tout de suite, mais ça ne va pas tarder. Ah, putain, c'est que de l'herbe bleue, mais je suis pas empoisonné. C'est un peu chiant les bruits d'eau là quand tu marches. Flash, 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 flash. Oh bah tiens. Une sauvegarde. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, ici. Il y a... Ah, mais non, ça se bouge, ça. D'accord. Si je me souviens bien, ça se bouge. Fax au responsable des égouts. Le premier et troisième mercredi du mois, Angelica Margaret, le responsable de l'entretien, utilisera votre lieu de travail. Pour cette occasion, vient baisser les niveaux de l'humidité à l'aide de ventilateurs. Attendez, qu'elle utilise en effet très semblable à celle... est très sensible à la vapeur d'eau. Oh là là, je suis fatigué, moi. Le matériel qu'elle utilisera est en effet très sensible à la vapeur d'eau. Bon, après, c'est des textes un peu longs, on va pas non plus prendre la tête avec ça. On va avancer. Il y a des rubans encreurs. Bon, de toute façon, on n'a pas plus. On va sauvegarder quand même, puisqu'on a passé le boss. Allez, on va prendre celui-là. Voilà. D'accord, on a un truc ici, mais on a aussi ici des choses à aller voir.
Voilà, on le voit de toute façon, hein, que... C'est flag, comme on dit. Par contre, je sais plus qu'est-ce qu'on affronte en bas. Oula, déjà on voit Chipette. Tac. Ah, ça c'est des munitions, je crois. Non, j'ai pas besoin avec mes... Avec mon petit mode arrangé, je n'ai pas besoin. Et là, c'est encore des munitions et on n'a pas d'herbe verte. Très bien, bah comme ça, vous savez, il y a une salle ici, si vous avez besoin. Mais comme je suis en mode tranquillou, eh bien, j'en ai pas besoin. Allez, on descend. L'impact de la balle lui a fait perdre connaissance. Mais il semble pas en danger de mort. Ouais, parce que... En gros, elle s'en bat les steaks, elle. Hein. Incroyable. Hein. D'accord, c'est de là qu'on vient. On va voir. On va suivre notre... C'est Annette. J'entends quelque chose, je crois que c'est... Je redis quelque chose, j'ai l'impression que c'est des méchants. Des monstres. Voilà, faut runner ici. Sinon on se fait bouffer par ces saloperies. Ouais, quelque... faut qu'on fasse quelque chose là ou pas? Insérer le volant et tourner pour changer la vitesse du ventilateur. Ouais, ça faudra que je fasse avec Léon. Aïe! Elle vise bien. Don't move. You're the one who was with that cop, if I'm not mistaken. Identify yourself. Ada? Ada Wong. Ada Wong. I've heard that name before. Now I remember. One of the men from Chicago who came to assist the T-Virus research used his girlfriend's name as his password. Ada and John, I believe. How did you know? Who are you? Annette Birkin. My husband is the man responsible for the creation of the T-Virus. William Birkin. What? John's dead. He became one of those zombies. My condolences. And although I regret this... You will be joining him shortly. I won't let anyone take the G-Virus away from me. G-Virus? It's capable of creating the ultimate bioweapon. Its potential is even greater than that of the T-Virus. Then that must mean the creature in the police department is... Precisely. My husband, William. And it's all Umbrella's fault. None of this would have happened if they hadn't tried to steal his research away from him. This way. It's sheer perfection. My precious G-Virus. No one will ever take you away from me. There he is. So you finally come. Doctor, we're here to collect the G-Virus sample. Sorry, but I won't just hand over my life's work. Stop. You might hit the sample. That's it, all right.
Okay, let's move out. William. Oh, my. Hold on, darling. I'm taking care of that bullet wound first. Stay here. Alpha team, have you retrieved the sample yet? Affirmative. We'll be at the rendezvous point in 1 minute. Roger. Are you telling me that he injected the G-virus into his own body? The G-virus has the ability to revitalize cellular functions. What was that? Something's wrong. Let's check it out. Over there! Shoot! Eat this, you freak! I'm stopping it! What is this thing? No! Hurry! What is this thing? Fire! Fire! You son of a... So those rats were the carriers of the virus. As a result of his virus-induced transmutation, William should have lost any prior memories he had as a human by now. Even worse, every G-virus bioweapon, including William, has the ability to implant embryos into other creatures. And create offspring. No. Quel combat! Eh ben dis donc! Alors, est-ce qu'on a d'autres choses à voir par ici? Ah ah, intéressant! Ce n'est pas utile pour l'instant. D'accord, faudra que je revienne avec... D'accord, tout ça faudra que je revienne avec Lyon. Donc voilà, on a vu cette vidéo excellente de William Birkin qui lutte contre Umbrella, qui le trahit. Umbrella s'en bat les steaks de leur personnel. Il se fait trahir par Umbrella et il devient le terrible... Ah, j'ai pris cher. Déjà que j'avais pris cher avant, bah voilà, c'est même pas la peine. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses par là-bas? Non. Attends, j'ai très bien fait de prendre ce petit volant là. Parce que ça va m'être utile. Donc voilà, William Birkin, ça c'était... J'adorais ça quand j'étais... Pas petit, mais ado, que je jouais à ce jeu. Je me dis, il y a quelque chose. Oh putain, les araignées. Il manquerait plus que je sois empoisonné. Oh putain. Oh non, c'est dégueulasse. Ah ça, j'ai horreur. Ah puis elle vomisse en plus. Non, pourquoi j'avise pas? Ah, c'est dégueulasse, je déteste ces bestioles infernales. Je suppose que je suis empoisonné, non? Oh putain, il manquait plus que ça. Putain, pourquoi il me tire pas vers le haut, ce con? Ah, dégage. Oh putain, c'est atroce. Je vais crever.
Je vais crever. Il me faut de l'herbe bleue. Ah ouais, non, là, c'est... Je fais pitié. Oh putain, génial. Ouais, prends ça à vitesse. On sent mieux. On se sent mieux. Ah bah on a encore une sauvegarde. Voilà, on a encore une sauvegarde. Et de l'herbe, et ça c'est très bien. Parfait. On renvoie le pont parce que je pense que... On va en avoir besoin tout à l'heure. Voilà. Il n'y a pas de ruban ancreur ici. On va à nouveau sauvegarder. On n'a pas de carte mémoire, du coup on a de la place, on peut se faire plaisir. Ah oui, d'accord, on va avoir un boss. On va essayer de se le faire tranquillou, mais je sais pas si ça va être possible. On va voir, on va voir. Allez, c'est parti. Ah, monsieur le crocodile, j'avais dit la dernière fois qu'il allait attaquer. Il faut se casser, et vite. Je crois que c'est là, non? Ah non, faut appuyer sur un bouton pour l'enlever, merde. On a loupé, on a loupé. Deuxième round. Donc il est flippant, monsieur le crocodile, on a un petit peu la pression. Voilà, hop, on fait tomber le machin, il va venir la bouffer. Bon, t'en vois pas. Voilà. Et voilà le travail. Technique très simple quand on la loupe. Quand on la loupe pas. Pour buter le crocodile en un coup quand on n'a pas de lance-grenade, j'aurais pu le buter avec ça, mais bon, c'était moins drôle et ça vous montrait pas la technique. Ah ça par contre je m'en rappelais plus. Ça je me souvenais plus que la porte était fermée. Leon. This bullet wound isn't making things any easier. Quiet, Leon. I'll patch you up. That's two I owe you. Don't mention it. I just found out. John's dead. What? Never mind. Let's just get out of here. The sooner the better. Allez, Resident Evil, ils sont vraiment incroyables. C'est vraiment des jeux que j'adore. C'est une saga que j'adore depuis toujours. Hein. Et l'ambiance, là, quand j'y rejoue, le fait d'y rejouer aux premiers épisodes de la saga, je veux dire, ça fait quelque chose, quoi. Et quand on se rappelle des souvenirs, on se rend compte encore plus
de ce jeu, à quel point le jeu était bien, quoi. Donc là, voilà, j'ai remonté le pont. Du coup, hop, on passe tout de suite. On va aller chercher. Voilà ce que... ce que j'avais besoin. J'en ai le responsable des égouts. Voilà, il m'a demandé d'arrêter les travaux d'Ambrella. Ça, c'est le chef de la police. Qui est de plus en plus énervé par rapport à tout ce qui se passe autour. Entre les Stars, Umbrella qui s'en mêle, etc., etc. Mais seulement on est un petit peu pressé par le temps. Il est déjà assez tard. Alors voilà, donc j'ai laissé un peu les textes de côté, si vous voulez on les relira à la prochaine vidéo. Alors on utilise ça et on va ralentir. Voilà notre petit ventilateur. Et on va pouvoir passer. Ouais, je lis pas trop les textes pour vraiment avancer dans le jeu. Alors peut-être que des personnes qui rejouent à ce jeu vont se dire « Waouh, ça pique !» Moi j'arrive, je suis toujours impressionné, j'arrive bien à me mettre à l'époque, on va dire. Ah. Non, on bouge. Terminator est là. Ah, c'est excellent. Ils ressortent même de l'eau, quoi. C'est génial. Oh, j'espère qu'on va pas avoir encore des bestioles d'araignées de merde. Elles sont plus là. Où est le loup? Je sais plus. C'est pas lui qui l'a. Oh putain, je crois qu'on l'avait tué celui-là. Salopard. Elle s'est remis en route. C'est là. C'est là. Voilà, je savais que c'était dans le coin, cartouche de fusil, non? Voilà. C'est un peu salopard, hein. Fallait se rappeler de ça. Hein. Je crois qu'on va encore avoir un boss, hein. Mais je pense qu'on va sauvegarder, on fera la suite. Prochaine sauvegarde, on arrête. Et tac. Alors, ça me fait un peu rigoler parce que... une cascade, si vraiment t'as besoin de passer, tu passes, quoi. Ça va pas t'empêcher. Alors, à mon avis, ça bloque la porte aussi, je pense. Je pense que la porte reste fermée. Parce que sinon, c'est pas de l'eau qui va t'empêcher de passer, à moins que vraiment qu'il y ait énormément de pression. Oh là. Ok. Ça pue. Qu'est-ce qu'on a ici? Rien du tout. D'accord, téléphérique. Ah, pas de courant.
Ah oui, on va se faire. Ouais, ok. On va se faire attaquer. Je me souviens. Désolé, je spoil à chaque fois. Oh putain, je me rends compte. Mais c'est parce que les souvenirs reviennent en même temps. Voilà. Ça, c'est William Birkin. Il va falloir éviter chaque... Dès qu'on voit la poussière, faut bouger. En fait, ils nous captent, hein, tout simplement. Hein. Ça sert à rien de lui tirer dessus. Hein. Bah là, ça, j'ai l'impression que c'est passé plus vite en tirant dessus. Maintenant, après, si vous voulez économiser vos munitions, vous n'êtes pas obligé. Au bout d'un moment, ça passe. Et voilà! Pa-pa-pa-la! Vous êtes arrivé dans l'antre d'Umbrella. Terminus. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a par là? Un canon. Comment allumer ce lance-fusée? Ben, comme ça. J'ai compris maintenant. Chaque problème, c'est le briquet. Tip-top. J'adore les musiques, je vous jure, j'adore les musiques, c'est incroyable, c'est une ambiance de fou. Je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de différences. Bon, il n'y a pas de porte. Oui, où l'autre? Quand même pas mal de différences avec le remake. Hein. Non, est-ce qu'on a par là? Oh, encore un méchant. C'est quoi ça? On a pas besoin. Et il se relèvera pas du coup. Une sauvegarde en fait. Oh oh. Ils sont quelque part, mais je sais pas où. Ah là. Allez, suivant. Alors évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus simple. En mode arrangé, hein, ça c'est clair et net. Hein. Oh. Bon, je pense que... Ouais, je pense que ce que j'ai là suffira. Bah pour le moment, on n'a pas de sauvegarde. Punaise, j'ai parlé trop vite. Là, voilà notre sauvegarde. C'est parfait, c'est parfait. Avec des rubans encreurs. Et ça, c'est top. Tableau de bord d'une machine, ok. Voilà, les munitions, on n'en a pas besoin. Ça, je récupère. Bah, je vais... Pff, voilà, parce que je garde les deux quand même pour être sûr. Je sais plus si on a encore besoin de... Si on a encore besoin du truc... du volant. Je vous le répète. Donc allez-y, vous pouvez le télécharger. Vous avez la version EXE. C'est gratuit. Et c'est légal.
c'est légal parce que c'est des abandonware, c'est toléré on va dire, voilà. Donc, que je me souvienne. Donc là, alors voilà, c'est, je vous avais dit, hein, promenade de santé, c'est la mitraillette infinie, le bazooka infini, on a des armes comme on veut, on a une petite clé là qui va servir plus tard, ça il me semble qu'on en aura besoin aussi. Et deux soins, donc là on est au top. On va sortir. Ah, la jouabilité. J'oublie toujours la jouabilité de Resident Evil 2. Je vais y dire 8. 8, c'est demain. Hop. Et il faut aller par là. Et ça, c'est l'entrée du labo. Et ça va commencer par... Là, il nous faut la clé pour activer le truc, si je ne me trompe pas. Remettre le courant. Ça va commencer tout de suite par un combat. La clé est là. Voilà. La musique est géniale. Je crois que c'est là qu'il faut mettre la clé. Alors, on verra si on finit le jeu ce soir, hein. Ou on finit ce soir, ou on fait deux vidéos. Ça, c'est à voir. Voilà. Point, point, point. Une vieille alarme, là, bien chiante. Et là, c'est le drame. Oh putain, il y a une vidéo qu'on n'a pas. Oh, chier. Pause 2 minutes, je vous explique, c'est pour ceux qui n'avaient pas suivi, voilà, bon, vous avez vu, hein, sur OBS, les vidéos sont en noir, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai gardé la vidéo de fin, qui est dans le jeu, qui est dans mon OBS, hein, qui est sur mon disque dur, comme ça, si on voit pas la vidéo de fin, ben, je vous la montrerai quand même, voilà, pour, en live. Et ensuite, je ferai un montage et je referai des choses un peu plus... Là, on aura la vidéo du train qui descend, désolé. C'est vraiment chiant. Je voulais quand même faire en live, je trouve que c'est plus sympa, quoi, que faire de mon côté, monter et ensuite le mettre en... En cas d'urgence, la lumière rouge s'allume. Il n'est plus possible d'entrer pendant un certain temps. Oh, par contre, je voulais changer d'arme, moi. Comme ça, on voit le poutrer direct. Avec ça, il va prendre cher. S'il est pas trop rapide. Je vous présente William Birkin. Qui se transforme. Encore une mutation. Oh là là, oh là là. Alors, ah oui, d'accord, il apparaît vraiment tout de suite. Voilà. T'es mort. Alors je vous ai dit, hein, promenade de santé. Alors ça peut... Certains peuvent trouver ça un peu nul, là j'avais envie de le faire comme j'avais fait quand j'avais acheté la version GameCube en fait. Sur la GameCube c'était comme ça avec le mode arrangé. Donc voilà, c'est vite fait. Pour ma défense, j'ai fait le premier sans ce genre de mode. Don't die on me, Ada. Come on. Wake up. Come on. Ah.
a pris cher quand même, hein. Notre pauvre Ada. Welcome back. Hey, take it easy. We're inside Umbrella's secret lab. I'll go find something to treat that wound, so just rest here in the meantime. But I'll only slow you down with these injuries. Go, save yourself. I told you, it's my job to look after you. But you'll be in danger if you stay with me. I know I've only known you for a short period of time, but I really enjoy being with you. I know I'm not capable of caring about anyone, but I don't want to lose you. We're leaving this place together. Wait here for me. I'll be right back. Ah là là, ça y est, il se rapproche. Oh, on a des munitions. Eh, j'ai plus l'arme. On va rester avec la mitraillette. On va quand même pas tout faire avec des balles de Magnum. Hein. Ça c'est pour tous ceux qui font en mode voilà, vous avez en mode normal, on va dire. Vous avez des munitions assez régulièrement. Ça va laisser là pour le moment. Est-ce qu'on a un casier, quelque chose? Ah ouais. Alors on va la prendre. Et on va la mettre dans le casier. On se fait une méga. On se fait une méga herbe peut-être. Voilà. On a des rubans en creux en plus que je vois. Ça c'est très bien. Et on va sauvegarder. Il y aura beaucoup de sauvegardes. Hein. Toujours, hein, dans les jeux, j'ai toujours pas mal de sauvegardes. Je regarde avec le micro, en fait, il prend tellement de place avec le filtre anti-pop. On voit presque pas ma tête. On voit que le filtre anti-pop. Faudrait peut-être le rapprocher un peu. Voilà, est-ce que c'est mieux? Ouais, c'est un peu mieux. Bon, bref, même si on s'en fout un peu de ma tronche. Et nous voici dans le labo. Alors, j'espère que je vais pas tourner en rond. Ah, la musique. Les musiques, c'est toujours un truc que je kiffe à mort dans les Resident Evil. Donc là, il faudra qu'on remette le courant. Je crois que c'est par là. Côté bleu. Donc là c'est fermé, il faut un truc d'empreinte. Aucun effet, il n'y a pas de courant, bah oui. Je pense souvent avec une carte, ok. Ouais, c'est là-dedans. Et est-ce que j'ai assez de... Ah putain. Ça se trouve, j'ai pas de place. Ça serait con. Putain, eh oui, ils en donnent des trucs, hein. C'est ça qu'il faut, le machin fusible, c'est ça, ouais. Caisson à fusible. Je crois que c'est là. Avec les expériences. La trépassante, je pourrais placer. Voilà. On est bien, on est bien. Et voilà. Je peux déjà remettre le courant. C'est déjà une bonne chose de fait. Donc là, on n'a rien. Ici, on a de la santé, mais on est déjà bien... Il est déjà bien équipé. Bon bah c'est tout. Réactivation du courant. C'est là, ici.
Je m'en souviens, je connais par cœur. Enfin, par cœur. Vite fait, quoi. Il y a des choses que je me souviens, des choses que je me souviens plus. On va retourner au truc bleu, voir qu'est-ce qu'il y a d'autre chose à voir là-haut. Et après, on passera au côté rouge. Le son est un peu bugué quand il faut une carte, c'est ça. Même pas. C'est pas les disques emo qu'il faut là. Staff only. Entrée autorisée par deux membres au minimum. Étape 1, vérifier les empreintes digitales, ok. Ah non, ça marchera pas. Ouais, fallait. Ouais, d'accord. Il faut qu'on s'enregistre. Ok, là on n'a pas accès. Faut une carte. Et le reste on a déjà vu. Ok. Putain, je suis en train de boire un ricoré et ça me donne encore plus soif en fait. Chercher de l'eau parce que la vache. Ah 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 ah, ok, oh non, pas ça. On se casse. Oh putain. Le problème c'est que là il faut de l'herbe bleue. Dégage. Ils ont mort. Hop. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Putain, il m'a fait peur. Comment ça tu me fouettes alors que t'es mort? Oh non. Attendre que. On attend bien que la tentacule bouge plus. Ça, dans le remake, elles sont dégueulasses. Je me rappelais plus du tout qu'elles étaient dans le. Dans le. Bah, dans le rétro, quoi. Dans l'original. Ah, j'aime pas. On entend encore des bruits de merde. Oh, c'est quoi ça? Y'en a un autre? Ah, putain de saloperie, des liqueurs level up. Liqueurs level 3. La vache. Ouais, ceux-là, si tu me rappelais plus de ceux-là, si te saute dessus, mon ami, ça pique. C'est là qu'il faut un disque émo, ok. Je vais me perdre, c'est sûr. Une perle dans le labo. Putain, il m'a fait peur. N'empêche, voilà, des années après, tu fais encore des bons. Ah, c'est génial, putain, super bien. J'adore. J'adore. Voilà la carte du labo. Bah oui, bien sûr. Une sauvegarde. On va pas sauvegarder tout de suite, on va peut-être pas abuser. Ça, je suis pas sûr qu'on ait besoin. Je garde ça pour les boss. Ouais. Je pourrais me faire les boss avec la mitraillette, remarquez. Mais bon. Pour ce let's play, j'ai vraiment pas envie de me faire chier. Ah ouais, d'accord. On peut aller par là. Là, il y a un affrontement là-haut, il y a un boss justement. J'aurais peut-être dû sauvegarder quand même.
Ah bah voilà. Pièce pour le Magnum. Non, bah j'ai pas le Magnum, mais voilà, donc... vous voyez un peu où elles sont. Revoyez les vidéos, vous avez forcément tout, hein. J'ai essayé d'aller quand même dans tous les endroits. Putain, c'est chiant quand on les voit pas. Il va me bouffer si je rentre, je parie. Non, ça va, il est mort. C'est con parce qu'à chaque fois que je les tue, ils sont loin. Ah, clé du labo. Carte du labo. On va s'enregistrer tout de suite. Quand même. Mais je pense que je vais sauvegarder. Tant pis, on joue la sécurité. On joue la sécurité. J'ai vraiment pas envie de recommencer. On joue la sécurité, même si on est armé jusqu'au dent. Mais... Il y a plus que sécurité là, c'est vraiment. non, on dit qu'on sauvegardait. Allez, on va écraser celle-là. Bizarre ça, ouais, je sais pas. Bref, allez. On poursuit. Ça va peut-être aller vite quand même, hein. J'avais l'impression que c'était long, mais... On arrive assez vite. D'ailleurs, des bestioles, hein. Faut en renier un petit coup. Ah bah, de toute façon, j'avais besoin de la carte du labo pour aller ici. Donc j'ai vraiment bien fait de la prendre. Et là, une grosse mythe. Ok, bon. J'aurais pu garder la mitraillette. Je m'attendais quand même à ce qu'elle soit un tout petit peu plus résistante comparé à William Birkin. Putain, et ça, ça meurt pas. Ah. Ah, mais dis pas qu'il faut un mot de passe. Ah merde. Ah putain, je sais plus. Ah quel con. Faut un mot de passe. Ah zut. Je sais plus. Ah bon. Je sais plus, mon ami. Ah bah là, ça fait des allers-retours. Du coup, on y arrive, aux allers-retours. J'avais oublié qu'il fallait un mot de passe, putain. Et où ce nom d'utilisateur. Je crois qu'il est au tout début. On va continuer à fouiller un peu partout. Faut pas que j'oublie de revenir là, surtout. Ah putain, je voulais avancer vite, et voilà. Voilà, à vouloir faire trop vite. On fait des conneries. Oh putain! À chaque fois il me fait des bons, celui-là. Ah non, mais sans la mitraillette, je crois que je serais en PLS total. Ce serait déjà pris je sais pas combien de coups dans les dents. Il y en a encore un. Ah la vache.
Comment ça, Airpop? J'ai l'impression que ces bestioles-là... Ah, saloperie. Elles sont plus... Ouais, même pas, je pensais qu'elles allaient cramer comme le... Comme la mythe, la grosse mythe qu'on a affrontée. J'ai bien dit grosse mythe. La porte est ouverte de l'autre côté. Ah oui, d'accord. Bon, on l'a vu 2 minutes, hein. C'est le genre de truc qu'on a de temps en temps dans les chambres. Ah oui, je me souviens. Ah bah tiens, on a l'herbe bleue, je suis pas empoisonné, non, ça va. C'est ici qu'il y a le code. Enregistrement utilisateur, enregistrement temporaire pour la visite de la salle de culture expérimentale. Nom d'utilisateur, guest. Mot de passe, aucun. Voilà pendant 24 heures, guest. Aïe aïe aïe. Gros couillon que je suis. Consigne d'inventaire de sécurité, manuel de sécurité du laboratoire, consigne à suivre en cas d'urgence, en cas de fuite incontrôlable d'agents toxiques. Il est impératif d'utiliser les moyens de transport souterrain. En cas d'anomalie au niveau des marchandises en transit, le matériel sera automatiquement transféré de la zone de chargement vers un train à grande vitesse. Le matériel contaminé sera alors isolé et détruit dans les plus brefs délais. Il s'agit d'une urgence de catégorie 1. Le train sera désinfecté. S'il s'agit d'une urgence de catégorie 1, le train sera désinfecté avant d'être lui-même détruit. Dans le cas extrême d'une contamination du laboratoire, la voie de secours sera la route la plus au nord, qui est actuellement utilisée pour l'acheminement de matériaux. Ce passage mène au point de relais en dehors de la ville. Il est formellement interdit de révéler la moindre information concernant les travaux du laboratoire, ou même de mentionner l'existence du centre de recherche. Sans blague, notre priorité étant le secret de nos activités. Il est possible qu'en situation de crise, les points d'accès et de sortie soient verrouillés. C'est vrai qu'on n'avait pas lu les documents. C'était lequel? Fax au manager des égouts, ça va être ça? C'est ça. Voilà, j'ai vu Dan aujourd'hui. On a parlé, Sion avait dit qu'on le lisait, j'avais été un peu vite. C'était au centre d'égouts. Le gardien, en gros, des égouts, qui ressemble beaucoup, ça, c'est un document qui ressemble beaucoup au journal du gardien. J'ai vu Don aujourd'hui, on a parlé après le boulot. Ça faisait un bail que l'on ne s'était pas vu. Il m'a dit qu'il avait été très malade, jusqu'à hier. Ça ne m'étonne pas, vu le temps qu'il a bossé ici. Il suait terriblement et n'arrêtait pas de se gratter quand on discutait. Je lis très mal, désolé. Je lui ai demandé, ça c'est pas écrit, hein. Je lui ai demandé s'il avait chaud, et il m'a regardé comme si j'étais fou. C'est lui qui tourne pas rond, oui. 7 juillet. Irons, le capitaine, passe très souvent au laboratoire. Je sais pas ce qu'il y trafique, mais il a vraiment l'air désespéré. Je commence même à m'inquiéter. À mon avis, c'est à cause de ce que demande le docteur Birking. Mais il veut l'impossible. C'est triste pour Irons. Ou pas, hein, parce que c'est un bâtard. Hein. Après tout ce qu'il a fait pour la ville, il ne méritait pas ça. 21 juillet, je ne vois presque jamais, parce que je bosse la nuit. Mais je ne me plains pas, vu que Sarah me rapporte de quoi vivre. 16 août, Aaron, ce capitaine, est venu en retard ce matin. Il avait l'air encore plus stressé que d'habitude. J'ai essayé de faire de l'humour pour le dérider. Ouais, passons, ok. Mais ça n'a pas marché du tout. En fait, il a sorti son flingue pour me menacer. Heureusement, j'ai réussi à le calmer. Ah, quand ton patron te met le flingue, tu te calmes. Ah, ça doit faire bizarre. Ce type a de sérieux problèmes. Pourtant, il sait bien qu'il a besoin de mon aide et de la médaille pour rentrer dans le labo. Peut-être que son job de chef lui monte à la tête. Ah, ça arrive souvent. 21 août. William m'a dit que les journalistes et les flics ont commencé à mettre leur nez dans les affaires de la société Umbrella. Des recherches vont être faites dans toutes les villes et il est possible qu'ils fouillent les égouts. Il m'a demandé d'arrêter les travaux d'Umbrella dans les canalisations jusqu'aux conclusions de l'enquête. Il utilisera quand même les égouts pour passer, mais il faudra que je fasse très attention si quelqu'un prend quoi que ce soit
William dit que je serai viré. Peut-être même un peu plus. Bon, non, c'était pas celui-là. Il me semblait qu'à un moment donné, on avait suivi une transformation. Bref, bon, c'est pas très grave. Alors là, il fallait faire un truc comme ça. Il y a de l'essence par terre. Là, je vous montre quand même. Voilà, l'essence partout. Il a voulu brûler la plante. Il n'a pas eu le temps. Et nous, on va finir le travail. On va voir ce qu'il y a à côté. Oh non, oh non, oh non, oh non, oh non. Et ben voilà ce qu'il y a à côté. Je suis en quoi? Faible. Ah, je vous dis, ils sont violents. Et qu'est-ce qu'il y a encore par là? On peut pas grimper par là? Putain, ils m'ont surpris ceux-là. Ouais, pour des munitions que j'ai pas besoin, mais bon, voilà. Ça vous savez, il y a des cartouches ici. Mais là, il y a quelque chose? Non, on peut pas, on peut pas. Ok, bon, on va ressortir. On va se soigner. Est-ce que j'utilise le spray que j'ai sur moi, ou on va en chercher un autre peut-être? Ah, on va redescendre, normalement ça doit aller. Il y avait de l'herbe verte dans le coin en bas, on va aller chercher l'herbe verte en bas. Moi je vais aller chercher de l'eau aussi parce que... J'adore boire le café. Bon, le soir, je bois des trucs légers quand même. Mais ouais. Ça donne encore plus soif. Ouais, voilà, l'herbe verte. Putain, faut pas que je me fasse encore choper par les... Putain, même 3. Ouais, non, ils sont généreux, hein, sérieux. Et voilà, on est bien. C'est une affaire qui roule. Les larves là, elles tombent à chaque fois. Allez, guest. On va essayer de pas faire de faute d'orthographe. Et voilà, et on enregistre nos empreintes digitales dans la base de données. Et voilà, pendant 24 heures. On a 24 heures pour finir le jeu. C'est comme un room en fait. Un room ou une room, je sais pas comment on dit. Si t'as la copie originale, t'as le droit de garder 24 heures. Et encore, ça se trouve les lois ont changé. Surtout quand c'est du Nintendo, alors ça me pas la peine.
Et rigole pas. Donc là, on va utiliser notre... nos empreintes digitales pour la porte qu'on n'a pas ouverte dans la zone bleue. Là, il faudra les disques mots. Il en faut combien? Il en faut que un d'ailleurs, je crois. Je vais quand même regarder. Je sais plus. Disque mots requis. Oui, il en faut que un. Comme pour le manoir, quoi. En fait, ils ont des laboratoires secrets partout, en vrai, là. En dessous des montagnes d'Arclay, en dessous de la ville de Raccoon. Dans les prisons. Partout. En Antarctique. À Paris. Non, Paris, c'est le... c'est pas vraiment un labo, c'est... c'est leur QG. Mais bon, je suis sûr qu'il y a un labo dedans aussi. Tant qu'à faire. Donc là, on avait tout vu, hein. Je veux dire, on a vraiment fait déjà le tour. Ça va assez vite. On a à peu près 40 minutes de live. Donc je pense que oui, il y a grande chance qu'on le finisse ce soir. Si on fait pas trop de la merde. Si je fais pas trop de la merde. Ah, là aussi, à la carte. J'ai pas été là. Donc là, on a encore de la santé. Ah, bonjour, monsieur. Au revoir, monsieur. Encore un. Oh, il est pas mort. Oh putain, il y a du monde. Vous êtes tous planqués en fait. Waouh. Ça, c'est quoi? Ça va synthétiser la base d'un vaccin. Ok. Ça peut être utile. Qu'est-ce que c'est ce bordel? On voit rien du tout en fait. Ah, ok, on va synthétiser un vaccin. C'est juste lumière, quoi. Ah, ça brûle là maintenant. Parfait, voilà, le disque mot en question. Bon, ça, c'est des munitions, je crois. Magnum encore. Ouais. Après, avec le Magnum, vous avez vu tout ce qu'il donne, plus encore de quoi vous vous modifiez le Magnum. You murdered my husband. I know what you're looking for. You came for the G-virus, didn't you? But you'll never take it from me. This is my husband's legacy. Now, where's that spy you were working with earlier? You know who I'm talking about. What? You really don't know anything, do you? You're so gullible. She's one of the operatives sent here by the agency. The only reason why she came here is to obtain the G-virus. That's a lie. No, it's the truth. I discovered this when I did a background check on her. She specifically got close to John and became his girlfriend to get information about Umbrella. That can't be. I know her. Ada wouldn't do something like that. If you don't want to believe it, I don't really care. You're about to die anyway. What happened? Thank you.
À se prendre... Quoi ? Déjà ? Me dis pas, j'ai le timer. Waouh. Ok. Ah bah ça, je me rappelais plus que ça arrivait déjà. Je savais que... Qu'est-ce qu'elle allait dire, hein, que Aida est une espionne. Ah merde. Ok. On va activer le disque MO. Hein. Alors, balancer le vaccin comme ça, je suis pas... Enfin, le vaccin, le virus, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en fait. Mais, alors, niveau mise en scène, c'est juste génial. Juste le truc que je me dis, après tout ce qu'elle s'est pris dans la gueule, la femme de William Birkin, Annette, comment elle peut se relever ? Sérieusement ? Elle a pris un peu de virus G aussi, elle, c'est pas possible. Attends, on va aller voir, juste. Qu'est-ce qu'il dit ? Pourquoi a-t-elle fait ça ? Ah, elle était complètement... Le chargeur est vide. Donc elle faisait semblant. Jamais elle m'aurait tiré dessus. C'était juste pour me dissuader. Ah là 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 là. Bon, on n'oublie pas. Il y a une alarme, il faut qu'on se barre. On va se faire poutrer. Ah mais t'en as de bonne toi, le disque mou c'est en bas. Mais il n'y avait pas l'histoire de... Ouais bon bref. Il n'y avait pas l'histoire avec la... Les empreintes digitales ? Je vais pas trouver le boss de fin, vous allez voir. Je suis en train de tourner en rond. Alors, je vous dis quand même, c'était ma sonnerie de réveil avant de donner ça. Je vous ferai écouter après, c'est dans le portable. C'était ma sonnerie de réveil. J'adore les alarmes dans les Resident Evil. Oh putain ! Les zombies tout nus. Oh putain, t'es trop proche. Oh sérieux, je suis déjà... Ah vache, mais d'où ils sortent? Ils sont plus rapides, ils sont plus forts. Et ils sont tout nus. Non, on se soigne, hein, hop. Hein. J'espère que je fais pas une connerie. Et qu'il y aura une sauvegarde avant parce que...
Bon, on verra bien. Oh là, ça pue le boss là, non? Je sais plus. Oh putain, oui. Je crois qu'il y a le boss. Eh oui. Oh putain. T'es sérieux? Mais alors attends, j'ai pas eu besoin de... Tout ce que j'ai fait avec les empreintes digitales. J'ai loupé quelque chose en fait. Wouah. On se casse. C'est quand il atterrit, ça prend le jeu tout de suite, il est à côté de toi quoi. Et là, level up. Ah, il est dégueulasse, mais il a complètement la forme du virugé. C'est le virugé qui reprend le dessus sur l'être humain, quoi. Oh putain, pourquoi tu cours partout, ça qui est chiant. Oh là là, il est piquant. Ça y est. Oh, ça va, avec mon petit lance-roquette, là, ça va tout seul. Par contre, le temps il passe là, si on pouvait se bouger, ça serait pas mal. Ah, il est en train de pourrir. Ah merde, est-ce qu'il y avait une arme cachée dans le truc c'est possible, genre le lance-flamme ou quelque chose, je sais plus, j'irai voir. Là je traîne la savate un peu. Oh bah c'est fini. C'est fini je crois. On a l'image de fin. Est-ce qu'on aura les crédits? Affiche-moi les crédits, sois gentil. On a la musique. Oh putain, on n'a pas les crédits, t'es sérieux? Ah, ça m'emmerde. Bon, on a la douce musique. On va se remettre... Quoique, si je fais ça, attendez, est-ce qu'on a encore le son? Attendez deux secondes, tac, tac. Oh non, ça a coupé. Alors attendez, ça a coupé, dommage. Bon bah c'est pas grave, on va aller voir les stats. Oh, ça va être ridicule à mon avis. Hein. 4h03 pour vous, 4h03. Classification C. 4h03 et 28 secondes. Ça va. Et 10 sauvegardes par contre. J'aurais pu faire beaucoup moins de sauvegardes, mais je vais vraiment jouer la sécurité comme je l'ai dit. Bah voilà. Est-ce qu'on sauvegarde? Ça va faire quoi si on sauvegarde? Ah, ça enclenche sur le deuxième scénario avec Claire. Vous pouvez choisir le scénario difficile. Ok. The self-destruct sequence has been activated. Repeat, the
self-destruct sequence has been activated. J'adore. This sequence may not be aborted. All employees proceed to the emergency car at the bottom platform. Eh ben ça c'était mon réveil. Le téléphone d'un geek, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas aller plus loin dans les musiques parce que je suis en train de me rendre compte que si je vous fais écouter du Alan Parsons ou des trucs comme ça, c'est même pas la peine, je vais avoir 36 000 alertes de droits d'auteur. Déjà là, c'est possible que je reçois des alertes. Eh bien mes amis, nous avons fini Resident Evil 2 avec Léon en mode arrangé. C'est très bien, je suis content, ça s'est très très bien passé. J'ai eu un petit peu peur de me perdre dans le labo, mais il y a un truc que j'ai loupé. Il y a un truc que j'ai loupé quand même, c'est cette histoire de main empreinte digitale qu'on a enregistrée en battant le boss. Enfin bon, le mini-boss. J'ai enregistré en utilisant le mot de passe guest et je suis pas retourné dans cette porte. J'ai d'abord voulu utiliser la carte du labo, du coup ça a enclenché à la fin, je sais pas du tout ce qu'il y avait là-haut. Je ne sais plus. Je crois que c'est une arme. À savoir que, bah évidemment, avec le scénario de Claire, ceux qui ne le savent pas, vous avez encore un nouveau boss de fin. C'est-à-dire que là, on a battu en boss de fin la quatrième forme de William Birkin. Et avec Claire, on bat la cinquième forme. C'est-à-dire qu'il a encore une cinquième forme. C'est une cinquième forme, pas une cinquième Ford. Il a peut-être aussi, mais en tout cas, il a une cinquième forme. Qui est un gros tas de merde en gros qui va attaquer, qui va être énorme. Et même pour. Voilà, c'était génial. On était à la fin du jeu et ça y est, c'est fini. Ah ben non. Et la forme là, même dans le remake, elle est terrible. C'est excellent. Et vous savez quoi? Et ben dans le remake, je n'ai pas terminé non plus le scénario de Claire. Je ne l'ai pas fait. J'ai fait Léon. C'est incroyable. Il faut que je fasse le scénario de Claire, que je me motive. Mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Allez, ben, je vous souhaite une bonne soirée à tous, bonne nuit à tous, prenez soin de vous. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, la petite cloche pour être au courant de toutes les vidéos qui vont arriver. Allez. Bye bye, prenez soin de vous, bisous bisous, salut salut, ciao ciao.